Et allez! J'ai vu que le wiki était ouvert, mais pas du tout en fait. C'était une boutade. Je vais aller voir les collègues, moi. Est trop chelou. Penatome, je sais même pas ce que c'est comme boîte. Trop pour de la bouffe. Traverse l'autoroute, hein. On est ouf. Raton Canyon. Chier que le concert soit fermé. Je vais aller à l'hôpital, je vais... Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais me faire faucher par un putain de camion. Ah merde, t'es où? Je suis au kids. Mais qu'est-ce qui t'a brûlé? Je traverse l'autoroute sans regarder. Bah bravo ça, Ivory. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'a pris par la tête? T'es plus caché là? Si, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi t'es caché? Je sais pas, je joue à cache-cache. Tu joues à cache-cache avec qui? Tout seul. Ah ouais, du coup on risque pas de trouver. Bah ouais, pour ça je crie comme ça, peut-être on peut me trouver. Ok, ok. Tu joues à cache-cache vers où? Vers Sandichor. Vers Sandichor, ok. Ouais. Putain. Bah ça va ou quoi? Bah ça va et toi, la baisse? Bah ça va, ça va. Tu fais quoi sinon? T'avais prévu quelque chose ce soir? Non, pas vraiment, je travaille, tu vois. Ah, tu travailles? Mais tu travailles pas à Sandichamps, toi? Bah, non. Ouais, mais là, tu m'as dit que t'étais à Sandichamps. Ouais, ouais. Bah, si, j'ai l'usine du poulet qui est à Sandichamps, pas loin. Ah, oui, d'accord. Tu remplis le coffre, quoi. Voilà, t'as tout capté, vous ici, bien 5 sur 5. 5 sur 5. T'as vu ma demande d'adhésion à Société? Ah, non, j'ai pas vu. Attends, je regarde ça. Regarde ça du support. Effectivement, effectivement. Julie a accepté. Oh, c'est carré ça, c'est bien. On y fait voir. Voilà. Putain, ils font chier les concessionnaires à pas être ouverts là. Ah ouais? Tu vas aller au Wingstop là du coup après?
Ah ouais, je pense. Et toi? Ma Ah vie quoique, faut que j'aille à l'hôpital pour un contrat. pour un contrat. Ouais, pour parler d'un contrat. Ah d'accord, ok. Ouais. Avec le patron là, qui m'a pas l'air commode. Le patron de l'hôpital? Ouais. Le médecin quoi? Non, c'est un patron comme un Bah... autre? C'est un patron d'hôpital quoi. D'accord, ok. En fait, Eh, ça c'est dis-moi, pas. Ouais. t'arrives à marcher avec ton... tes fiches fauchées là? C'est grave. Non, c'est pas grave, ça va. Ok. Il était presque arrêté, il m'a bousculé quoi. Ah ouais, t'as... Ouais, d'accord, il a eu le temps de freiner Et il a quoi. eu le temps de freiner, ouais, t'es ouf, Il a vu sinon. la bête passer. Voilà, sinon je serais pas debout quoi. Bah oui. J'imagine, oui. Je t'aurais appelé et puis j'aurais pas répondu, tu vois, ça aurait été un concept. Ah, parce que c'est à cause de l'appel que tu t'es fait renverser. Ouais. Ah, putain, bordel. J'ai pas fait gaffe, j'ai traversé un aplomb et du coup j'ai pas regardé. Ok. Ah, merde. Et tu vas passer à l'hôpital quand même? Bah du coup je passe à l'hôpital, ouais. Ok, du samedi soir. Bah t'as... Ouais, bah si tu vas... Tu dois aller à Sandy Shore, toi, quoi. Non, c'est à Los Santos. Ouais, d'accord. C'est lequel là qui est ouvert en ce moment? Ouais, Pillbox, je voilà. crois. C'est trop chiant ça. Pillbox, Pillbox. Pillbox? Bah je vais aller au Pillbox alors. Non, ouais, Ok. je les aime bien au Bah Pillbox. vas-y, Y a je peut-être vais une y chance que je arriver. vois Peter en plus, donc on verra. Ça, je ne suis pas si sûr, mais je t'expliquerai. Ah, il s'est passé. Je t'expliquerai, Vauré. Oh putain, Mais moi. tu peux toujours demander. J'avais besoin de lui, moi. Tu peux toujours le demander. Enfin, c'est Tu surtout peux toujours Emily qui avait demander à ses besoin. collègues. C'est Emily qui Ah avait ouais? besoin de lui, mais elle ne le savait pas. Comment ça? Mais je crois qu'il est psy, non? Oui, je crois, ouais. Ben voilà. Et Emily a clairement besoin d'un psy parce qu'elle me fait flipper sa Ah mère bon? toujours. Parce qu'elle fait quoi, elle? Elle me raconte des histoires de psychopathe. Ah ouais? T'es avec elle, là? Non, je suis pas avec elle, non, mais D'accord. ça fait 3 nuits, je dors plus depuis qu'elle m'a raconté ces trucs de gens qui font des connexions de bébés morts et Oh tout. putain. Quoi? Putain, et tu me raconteras ça tout à l'heure. Faut que je finisse mon rôle, comme ça je Vas-y. vais à l'hôpital direct. Vas-y, fini, et puis moi, je vais descendre Vas-y. tranquillou. Vas-y. Ça roule. Vas-y, à toute. Je vais l'appeler. Est-ce que je peux l'appeler? Il est où? Autour. Tac, tac. Il est où? Appeler. Contact. Allô? Allô? Ouais. Je suis désolé, je viens de voir ton message. T'as toujours besoin de moi? Ouais, si t'as moyen, c'est cool. Bah vas-y, tu m'envoies une pause et j'arrive, hein. Bah chez moi là où tu sais là où tu t'as reposé mon 4x4 tout à l'heure. Ah, ouais, ok. Ah, je me rappelle exactement où c'est, y a pas de souci, hein. C'est juste avant la supérette à le chemin de terre à gauche. Salut, Koda. Ouais, Supérette en d'accord. 4024. Ouais, d'accord, ok. Bah j'arrive, je suis dans le nord, là, donc tu me donnes 5 minutes, hein. On fait comme ça. Vas-y, à tout de suite. À toute. Alors évidemment que je me rappelle où c'est par là. J'ai verrouillé ça, ok. Oh, il veut me faire passer. Non, c'est dead, je passe pas par là. Comment tu vas, mon petit Coda? Oh non, je vais me refaire flasher. Oh putain. Ça freinait fort. Je sais pas si ça flash dans les deux sens. Ça va, tranquille, hein. J'ai à peu près aucune foutue idée de quoi foutre ce soir. Alors quand j'ai vu que t'avais mis un petit message sur le Dark Chat, je me suis dit, oups là, je vais écrire à Athem. Je vais appeler Athem, on va voir ce qu'il fait. Non, et Kinzel, elle est en train de jouer à Lost Ark là, donc. Et j'ai live, bon. Vas-y, je vais gerber sur le micro, c'est parfait. J'ai live, j'ai donné hier soir, quoi, c'est bon.
Quel enfer. La flash dans les deux sens, putain j'ai freiné au bon moment alors à mon avis. Je me suis fait tâche dans l'entreprise où j'étais sur G-Life, bah. En même temps, t'es pas beaucoup connecté ici. Depuis le soir où on a joué ensemble, t'avais retesté? C'est pas là, non, c'est après, je crois. Probablement jamais. Ça accélère? Ouais, ça accélère en fait. J'avais l'impression que ça accélérait pas, mais en fait, ouais, ça s'embourbe un peu, mais. Non, ça me. UBG quoi. J'ai tapé sûrement parmi les meilleures barres dessus, mais. Il se fout de ma gueule. Salut gamin. Merci de me dépanner. C'est que ouais, du coup, si j'y vais à la fourrière avec la bécane, je vais être comme un con parce que la bécane sera à la fourrière. Donc, ouais, ouais. Je la fous au garage, tu me déposes. Ouais, ouais, bien sûr, pas un soucis. T'as pas très bien entendu quoi? Que. Pff, PUBG quoi. Non, là, t'es pas entendu parce que c'est une. Allez, c'est bon. Allez, bah, let's go. Hein. Ah, il est joli ton casque. Ouais. Le tien aussi. Bien pour la sécurité celui-là. Ouais, c'est parfait. C'est pour éviter d'avoir les cheveux dans les yeux. J'imagine, ça a été la pêche. Oh, ouais, 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 carré, carré. Merci. T'as réussi à te faire un peu de blé. On me suis fait quasiment 20 000. Hein. Ouais, c'est ça. En gros, tu te fais entre 19 et 20, quoi. Si vraiment t'arrives à charger le rebelle à fond, quoi. Ouais, 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 c'est ça, ouais. T'as mis combien de temps? Une heure et demie à peu près? Moi j'ai pas fait gaffe. Ouais, avec un petit spliff ça passe tout ça là. Moi j'imagine. Ouais. Je voulais m'acheter un petit cavalcade du coup mais ben... Voilà c'est des bras en l'air à la concession, ils sont pas ouverts. Hein. Ah bon? Ils veulent pas faire d'argent ça je connais. Ah merde, j'avais besoin d'y aller sans, je vais m'acheter une muscle car là pour essayer de la faire booster un peu pour ce que tu m'as parlé là, l'autre jour concernant les courses là. Ah ouais, ah ouais. C'est pas avec le rebelle que je vais faire quoi que ce soit quoi. Ouais ouais c'est clair ouais. Sauf si la course est dans les chemins de terre là je peux peut-être m'en sortir mais. Alors la course elle est d'un point A à un point B, après tu passes ouais, par donc, où tu veux toi. Ouais bon tous les chemins de terre mènent pas à Paléto. Hein. Ouais mais quand même hein. Faut ouais. Avoir une bonne connaissance de l'île hein, pour. Ouais ça j'en doute pas ouais. Je leur envoie un petit message, mais ils répondent pas en plus, donc bon. Ouais, j'imagine. Tu sais que si jamais à un moment t'as envie, tu sais que tu peux ouvrir le Wookiees. Hein. Ouais, pourquoi faire? Pour vendre des appâts, ça te fait du pognon. Ah ouais, ouais, mais faut parler à des gens et tout. Ah, ouais, ça ouais, pas. Par contre, faut parler à des gens, ouais. Ouais, ouais, ouais.
Mais en plus, j'ai mais bon, en gros, chaque fois que t'as un client, c'est tu gagnes 800 balles. Ah, mais voilà, parle-moi comme ça, moi. Mais tout à l'heure, j'ai vu où qu'ils ont ouvert, je me suis dit, oh, bah, je vais aller discuter avec les collègues. Et je suis arrivé, il n'y avait personne. Bon, en fait, quand j'ouvre pas longtemps, quoi. Ah ouais, d'accord, bah, ok. J'aime pas me faire chier à rester sur place, en fait, donc j'attends un quart d'heure, 20 minutes, si j'en spawne pas, je me barre. Et après, je les rechoppe plus tard, quoi. Ok, ok. Merci en tout cas, je vais peut-être ouvrir tout à l'heure, à la limite si tu veux, si t'es dans les parages, je sais pas, je vais ouvrir d'ici une demi-heure, une heure. Bah écoute, moi là, et que tu veux voir comment ça se passe, c'est etc, on se tient au jeu. Ouais, bah vas-y, carré. Bah allez, ça roule. À plus tard. À tout. Allez, on va remplir une box. Je mise 200 Santana, c'est... Prada, les petits dans la dernière collection. Ah ouais. Allez, let's go. Du coup, je sais pas si t'as entendu au final, mais moi, ouais, c'est pour éviter de me faucher les mains de ça. Ah ouais, c'est bien normal ça. Pas sûr. Hein. Ah, toujours. Et l'échantillon, c'est des fleurs de lit. Ah. Toujours peur qu'il y ait des putains de un radar ça. Mais je suis un peu un gros monomaniaque, donc ça fait un mois que j'ai envie de jouer à Monster Hunter Rise, sauf que bah, vu que je joue à GTA, je joue à rien d'autre. Si un jour je lance Monster Hunter, bah, je dis au revoir à GTA. Hein. C'est tout ou rien quoi. Comme là, je suis sur G-Life en même temps. Admettons. Et je sais très bien qu'il y a un moment où je vais lâcher un des deux complètement. Allez, mais vas-y, nique ta mère les radars là! On va voir, à la fin de la semaine, je vais tout payer. On va repartir à zéro. Billbox. Là, dans l'absolu, probablement celui que je vais lâcher, ça sera G-Life. Hein. C'est bon. Pour avouer que. Je suis pas encore. On verra. On verra quoi nous mène nous. J'aurais, là je dirais pas non, un bon gros projet. Mais voilà, un bon gros projet quoi. Avec tous les man. Évidemment qui accepte un mec. Comme j'aime les jouer. Ma gueule. Moi, tu veux que je joue un black dans une triade. Je vais jouer un chinois quand même. Pas possible ça. Et puis je sais pas faire les accents accents chinois. Et celui-là il me fume hein. Non mais je veux jouer un noir.
pire, c'est pas grave. Hein. Je travaille gratuit jusqu'à la fin de la semaine. Oui. Bonsoir. Il y aurait un médecin qui serait disponible ou pas? Ça dépend, c'est pourquoi? C'est pour ausculter mon épaule. Votre épaule, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, dire comme ça, ça fait pas. J'ai un camion qui m'est rentré dedans, mais il était quasiment à l'arrêt. Mais il m'a percuté quand même. Du coup, vous j'ai avez un peu mal? Ouais, j'ai un peu mal. Allez, venez. Par là. Ça fait combien de temps? Ah ben là, le temps d'arriver. Ok, ouais. Ah, j'étais dans le nord et donc voilà. Et vous arrivez à bouger votre bras, vous arrivez à bouger votre épaule? Ouais. Vous avez une limitation? Non, ça va. Ben, je tenais à peu près sur la bécane, donc ça va. Mais pour voir si... Je sais très bien qu'à chaud, ça va et qu'après, ça peut être... Ça peut gonfler ou faire des trucs bizarres. Ok. Je vous invite à enlever votre t-shirt, votre veste. Vous installer sur le... Sur le tabouret. Et je vais regarder ça. Hop. Bon, moi j'enlève tout, hein. Crève de chou en plus. Ouais, si vous voulez. Oh merde. C'est l'épaule droite ou gauche? Droite. Voilà. Ah oui, là, ouais. Alors, voyons voir. Si vous montez votre bras, vous arrivez à une limite où vous pouvez plus le monter ou vous pouvez le monter entièrement? On va dire. Là, à partir de là, ça commence à tirer. Ok, donc je vois à peu près où est-ce qu'il faut que je travaille. Ah ouais, oui, là ça... J'ai l'impression qu'il y a une boule ou une connerie comme ça, non? Non, pas vraiment. Okay, bon. C'est purement vos muscles qui sont frictionnés. C'est trop fort. Qui sont contractés en permanence, du coup ça vous fait mal. Okay. En fait, à un moment où vous avez eu le choc, vous avez dû vous crisper, et vos muscles ne se sont pas... détendu juste après. D'accord. Ah, donc ouais, là, ouais. Tout ce que je fais, c'est bêtement vous les faire se détendre tranquillement. Ok. C'est des choses qui arrivent. Vous sentez mieux là? Ouais, ça va. Est-ce que vous avez besoin que je vous mette un peu de crème ou pas? Je sais pas, à vous de me dire. Faut faire chauffer ou pas? Si je vous dis que vous avez un peu du mal à marcher ou pas? Du mal à... Ah ouais, non, mais non, ça va. Ok, ça roule. Ok, voilà. Vous sentez mieux? Ouais, c'est carré. Merci beaucoup. Alors je vais laisser ça comme ça. Ok. Si vous avez encore mal dans la soirée, vous revenez nous voir et on fera des examens supplémentaires. Ok, pas de soucis. C'est comme ça. Je peux me raviner? Vous appelez comment? Oui, bien sûr. Ouais. Ivory Burton. On a un dossier chez vous? Vous avez un dossier chez nous ou pas? Si vous gardez vos dossiers, ouais. Alors, attendez, je vais regarder ça. C'est un petit moment, je suis pas venu, mais... La dernière fois, c'était un coup de couteau. Ah ouais, mais là, du coup, il n'y a plus de son. Ivory, c'est votre prénom ou votre nom? Non, c'est mon prénom. Mon nom, c'est Burton. C'est bien ce que je pense. C'est bien ce que je pensais, là. Ah, ça a été inversé. Votre dossier est pas au bon endroit. Oh, merde, quand même. Ça, je suis sûr, c'est chaud de café. Non. Merde. Et il est toujours dans vos locaux, Peter? Pour l'instant, il est en arrêt maladie. Ah, ok. Il est psychologue, c'est ça? Alors là, c'est une bonne question. J'ai pas loin d'aider. Alors, monsieur Iverton, ok. Qui est votre dossier?
Ouais, je vous fais une petite facture. Ouais, allez-y, allez-y. Un montre de le faire. Eh ah ben, Jazzy Baz, ça envoie quand même pas mal aussi. Hein. Ouais, c'est pour vous. Ok. Hop. Tenez, ça c'est pour vous. Merci. Merci beaucoup. Besoin d'autre chose? Oh bah non, non, ça va. Ah bah venez. C'est énorme parce que moi j'entends presque la musique aussi fort que le son et j'ai l'impression que sur le stream c'est pas du tout le cas. Ça va, ça bouge pas trop ce soir? On est en début de soirée donc pour l'instant je peux pas trop okay. vous dire. Peut-être un peu plus tard, c'est être un peu plus sportif, mais on verra bien. Bah bon courage en tout cas. Hein. Un Ah, métier merci, facile. Hein. gentil. Bah non. Oh, mais je connais ça, c'est Atem. J'en sais rien. C'est vous le directeur? Non. Ah ouais, ok. Ouais, c'est super ça. Vous devriez ouais, aller droit, appeler Atem alors. Voyons Atem, ça va ou quoi? Oh, Evoris, qu'est-ce qu'il faut là? Connard, je t'ai dit que je m'étais fait choper par un camion, je suis venu me faire réparer l'épaule. Ah ouais, d'accord. Et alors, c'est bon, t'as mis ni clou ni vis? Ça va. C'est pas. Ça fixe. On a mis de la patex. Ouais. C'est pas. Génial. Parfait, Auré. La colle à joint, là. Ah ouais, des joints? On sent des joints. Non, la colle. La ah. Ouais, la colle aussi, c'est bien. Oui, donc du coup, je disais, nous, on a des poulets bio. On tient à ce que tous nos employés sachent vraiment on va dire, le processus parfait pour créer les meilleurs menus pour tous les citoyens de la ville. On leur fait visiter notamment l'usine à poulets dans le nord. Donc, comme ça, ils sont totalement au courant de la procédure à suivre. Et des mesures d'hygiène à respecter, bien évidemment. Parfait. C'est parfait. Moi, bah si ouais, vous nickel. N'avez rien d'autre à ajouter, bon. Je serais bien curieux de savoir quels sont vos médecins les plus fréquents de poulies. Cela reste. Comment c'est frère et sœur là? Enfin, sœur et sœur. Non, c'est du secret de confidence, ça. Je ne peux pas. Non, mon cul, le docteur oui. Pepper, vous avez des nouvelles ou pas? Le docteur pété? Le docteur Pepper, ouais. Pété? Ah, bon ah oui, pété, ouais, c'est un peu compliqué pour lui. Parce ouais, que, c'est qu'est-ce un qui peu se compliqué passe? Pour lui là. Bah, ouais, pour parce rien, qu'en secret fait, confidence. Il est mis à pied oh, pour le moment. Mis à pied? Oui. Ah, et moi, il a enlevé son véhicule. Non, on voit pas. Bah oui, mais le problème c'est qu'il a un casier, donc vous voulez que je fasse quoi? Ouais, ouais, vous lui demandez de le ranger. J'ai l'impression que ça c'était. Vous connaissez mieux l'affaire que nous, ça, monsieur Atem. Mais absolument pas, c'est parce que j'avais rendez-vous avec lui et j'ai pas de nouvelles. Mais... Oui, ouais, je vais l'appeler. Dans une voiture, non? Vas-y, je vais l'appeler. Hein. Bah, il est mis à pied. Vieux... Il était avec vous? À l'arrière d'un vieux motel. Il est... Non, parce que franchement, je vous le dis tout de suite, si jamais il était avec vous, vous pouvez partir en courant parce que je vais vous étrangler. Hein. Mais j'ai rien fait. Il est parti très vite. Hein. Mais arrêtez un petit peu là. Courez dans tous les cas, vite. Il répond pas. Courez, elle s'énerve. Courez vite. Il répond pas. J'avais juste rendez-vous avec lui, je me demandais si vous aviez des nouvelles. Parce que moi, j'en ai pas, c'est tout. Il a rendez-vous, pourquoi? C'était pour une consultation de groupe pour la psychiatrie. Ah oui, puis maintenant et ça, ça fait tourné, des groupes. Il ne hein, gère putain. Pas du tout la psychiatrie, donc ça. Ah, bah, c'est ce qu'il m'avait dit pourtant. C'est qui gère la psychiatrie? Ah, bah mince alors. C'est moi. Ah, bah, il faudra que je vous amène une patiente. Oui, bah écoutez, vous prenez rendez-vous ah, via le Laffin Vader. Oh, c'est de démarche. Sur le Laffin Vader, il y a une petite encoche prise de rendez-vous. Je verrai que vous avez demandé une. J'ai fait une demande de rendez-vous. Non, mais il faut que j'arrive à la capturer et tout. Ah, c'est pas un Pokémon là, calmez-vous. Bah ouais, mais bon. Et après, c'est ce qu'on appelle de l'enlèvement de la séquestration. Bah ouais, mais si elle est pas de je son plein gré et qu'elle est folle, on fait comment? Après, dans certaines circonstances, être retenu contre son plein gré, ça peut être plutôt agréable. Ouais, en plus, je suis sûr qu'elle serait pas contre. C'est pas faux que je crois quand je me retrouve coincé dans le KGB avec certaines gré. Personnes ici. Quoi? Vous avez un KGB? Quoi? Oui, j'ai un cachet. Là, vous mettez les menus. Je peux vous emmener. C'est comme rapport. Ça, je peux vous cuisiner. Du coup, c'est plus petit ou plus grand qu'un casier? Je visualise pas. C'est comme un CD en fait.
Okay, comme le casier de Monsieur Dr. Ah, Pepper, par du coup, vous mettez les casiers dans le kanjibi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, si, tu vas me dire, il y a des casiers, c'est le truc à ménage. Je comprends rien. Bah, du coup, il faudra dire au Dr. Peter d'aller ranger son casier. C'est un cellier, il y a des casiers, un lavabo, des trucs pour le ménage et tout. Un cellerie? Non, un cellier. Ah. C'est bon, le cellerie. Oh là là, remoulade. Quel enfer. Oh là là. Le remoulade. Le remoulade. C'est pas, ta... c'est pas ton frère, ça, Atem? Ça me donne faim. Non, c'est lui qui faisait le couscous cru, c'est pas pareil. Ah, c'est pas... Quoi? Ah, ça croque sous la dent, ça. Ouais, c'est, vous savez, le couscous cru. Ah non, c'était c'est... Hakim. Ouais, c'est un peu dur. Qu'est-ce que t'es raconté, Vorel? T'es fatigué, toi. C'est pas le fils du forgeron, lui? Hakim, si. C'est mon père, le forgeron, aussi. C'est mon frère, Hakim. Il est parti comme un lâche. Ah ouais, 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 il a un lâche de ouf. Ah ouais. Ouais. J'allais dire une insulte, mais du coup, ça aurait été pour ta maman et c'était pas cool. Je parle pas de ma mère. Non, je parle pas de ta mère, j'ai compris. Tu te rappelles la dernière fois? Ouais, j'ai compris, j'ai mangé le goudron. Il est bon? Ouais, c'est un peu comme le couscous cru, ça croustille. Couscous quoi? Couscous cru? Ah oui. Couscous cru. J'avais compris le couscous cru, ouais. Ça croustille aussi. Ça a le goût de latex. Oh, ouais. C'est surtout l'odeur qui sort du four qui est bon. De quoi? Couscous cru sorti du four, parfait. Putain. On dirait bouffer du sable. Non. Bon, on va pas vous retenir, messieurs, vous avez sûrement bah non, non, mieux à faire. T'as bien compris, on doit se casser. Allez, ouais. Bonne soirée, monsieur Dama. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. On va pas vous retenir, personne ne nous retenait, nous on tapait la discute. Bah ouais, hein, grave. Il aurait dit cassez-vous s'il vous plaît, c'était pareil normalement. C'est quoi cette pétane pour du merde? Ah, ils ont pas ça au bled. T'es venu comment? Ah, t'es venu avec le camion? Ouais, bah ouais, j'ai 300 menus dans le coffre, t'en veux? Ah ouais, putain, t'as de la chance que la fourrière soit pas pincée. Hein. Ouais. Je pense au Sunrise et puis après, je viens de voir Winstop. Ça roule, vas-y. Vas-y, attends, je te laisse reculer parce qu'il te faut au moins une rue et demie, quoi. Je crois pas que ça va ouvrir, mais bon. Amir. Une société.
Super custom, du coup, j'ai l'impression que j'ai toujours pas utilisé ce truc. Tour à ça ? Ah ouais. Ok. Putain, le mapping est tellement ouf en plus. Ça fait vraiment mal de... Le truc est vraiment trop trop grand et le garage il devrait trop être là, le garage principal du sud quoi. Je peux mettre trop de choses quoi. Oh mais il y a un étage et tout quoi. C'est triste. Oh merde, j'avais pas verrouillé. Du coup on a dit Wingstop, le Wingstop, le Wingstop, ça va être là. Granger ça. Mais ouais, je sais pas. On pense à ce que tu disais Koda sur la triade. Pourquoi j'ai des bugs là? La race. Va niquer ta mère, toi. Comment t'en sors? Oh oui, tu m'as fait peur. Ah pardon, pardon. Bah pardon, pardon. Ah, je t'ai dit, je venais. C'est quasiment, en plus j'étais même pas en train d'arriver. Skiffy. De quoi? Alors le sunrise? Ouais c'est fermé hein. Oh, merde. J'ai un contact moi si tu veux mais... T'as un contact? Il fait quoi le man devant moi là? Devant le restaurant? Ah, je sais pas, je vois pas. Pourquoi? Je sais pas. J'sais... Parce que j'ai entendu une voiture. S'arrêter si bizarre. Bah je regardais c'était un client mais il a discuté avec quelqu'un, il est reparti. D'accord. Ça a l'air d'être un man à lui. Enfin, un man à lui. Une meuf parce que c'était une gonzesse. Ah d'accord. Oh là 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 putain. Moi je t'aide pas, hein, tu m'en vas pas. Bah écoute, non, bah écoute regarde moi comment je fais hein. Écoute, Amy est pas là donc je me sens plutôt en sécurité, ça va. Ah ouais, ça va. Alors c'est quoi cette histoire de psychédélique là? Mais je sais pas, Elle me racontait plein d'histoires de psychopathes l'autre jour. Ferme-moi ce jeu là, t'es nul de toute façon. Moi ta mère. Tu battras pas mon record. Ah non, ça y a pas de chance, t'as fait combien? 80? 60? 69. Ouais, ouais. Petit coquino, toi. J'ai pas fait exprès. Ouais, c'est ça, ouais. Je te jure. T'as vu le 60... Ou 68, je sais plus. T'as vu le 69, t'as été perturbé. Tu ne savais plus si... Voilà, tu vois, je t'ai dit t'es perdu. Ouais, ouais, je fais comme perdre. Ah ouais, et... Il bug pas chez toi, des fois, le jeu? Si, le floppy bird, il prend de la cocaïne, des fois. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ou alors, justement, pas parce qu'il arrive plus à voler, le truc.
Qui c'est qui casse les couilles? Comment tu vas? Comment tu vas, Nokra? Ouais, sinon t'es toujours amoureux d'elle quand même. Est-ce que j'ai été amoureux d'elle à un moment? Tu m'avais dit. Je t'avais dit attaché. Comment tu commences à s'attacher? Oui, mais ouais, ça, ouais, c'est attaché, ce que ça veut ouais. dire. Hein. Ouais, ouais, ben. Ça, je te connais, Ivory, maintenant, je te commence à te connaître. Hein. Déjà, tu lui avais dit que t'avais tué des gens et trop. Après. Non, ça, je lui ai jamais dit j'ai tué des gens, c'est elle qui a cru. Ouais, ouais, mais tu lui as jamais dit que c'était pas vrai. Alors, si, justement, depuis si je lui ai dit. Depuis, je lui ai expliqué. Je lui ai tout expliqué. Ah, il y a. Je sais pas si tu te rappelles, il y a un soir où tu m'as appelé, je t'ai dit que je pouvais pas te parler, j'étais avec Emily, qu'on avait un truc à régler. C'est fort probable, j'y en rappelle plus. Et en fait, j'étais en train de tout lui déballer, de tout mettre à plat et tout. En lui disant, ouais, quand c'est que je t'ai dit que j'avais tué des gens comment tu te rappelles de... C'est pas des gens que t'as tué, c'est des insectes, non? Ouais, oui, ça, ouais, des saloperies d'araignées, truc de... Voilà, truc de bâtard. Pourquoi en plus, t'étais en prison, alors? De quoi? Pourquoi t'avais été à la prison? Pour la weed. Ah, c'est tout? Ouais, c'est tout. C'est Jamal qui m'avait balance, ce bâtard. T'as qui un m'avait... gros doigt, je l'entends d'ici, ton doigt, là. Comment ça, tu entends mon doigt? Bah, quand tu tapes sur ton téléphone. Là. Sérieux? Je dois frapper un bird. Comment tu peux entendre mon doigt, sérieux? J'entends ton gros doigt, il fait pop, 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 pop. Bon, vas-y, j'arrête. Non, tu peux continuer, c'est pas grave. Non, j'arrête, j'ai compris, ça te saoule. Ah, regarde-moi ce poulet, comment il a l'air bon, hein. Ah, il vaut rien. Ah ouais, depuis... J'allais t'appeler Jamal encore, parce que je sais que Jamal, il fait trop de poulets. Ah merde, je peux pas l'ouvrir ton camion, là, pour voir. Mais moi, à l'ancienne, je... Si tu peux. Non, j'arrête. Moi, à l'ancienne, je travaillais dans le second custom avec Jamal. Ouais, je sais, il m'a parlé de toi. À l'ancienne. Ah ouais, à l'ancienne de l'ancienne, ouais. Ah ouais. Il était même pas long, c'était à l'époque, il me semble. Ouais, je crois pas. Ouais, je crois que t'as raison. Non, bah, c'était un. Mettez plus fort, s'il vous plaît, on entend pas bien. Merci. Quoi? C'est la fête foraine? Ouais, j'ai pas compris ce qui se passe. Pourquoi ils cassent les couilles? C'était qui ça? Bah, je sais pas, ça, j'avais l'impression que c'était les keufs, mais qui voulaient qu'on leur mette la musique. Ah ouais? Les affaires dans la maîtrise. J'ai rien compris. Si tu entends la Nike pour le Daylight, et moi c'est pas les mêmes trips. Ce qu'il dit, papa. T'en as pas de la musique, toi, Evoré, là? Non. Ouais, en vrai, je t'avoue, moi non plus, j'ai pas grand chose à faire ce soir. Je trouve des petites occupations en proposant des contrats aux entreprises, mais ils les refusent, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais, d'accord, ok. Là, il fait reculer le patron du hôpital, là. Au pire, on va aller discuter avec le mec du Hookies, il vient d'ouvrir. Ah ouais? C'est qui? C'est le patron? Non, c'est Marshall. Ah, le maréchal, oui. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, je crois qu'il y avait finir, une soirée pêche hier, j'y suis même pas allé. Ouais, non, faut pas déconner. Déjà, je suis allé pêcher pour la première fois aujourd'hui. Fais pas ton gros bonnet. Ah, faut pas déconner. Ouais, ok. Tu connais pas? Il faut pas déconner, j'ai pas ton gros bonnet. Ah non, je connais pas, non. Tu connais pas? Non, je connais pas, attends, non. Je sais plus c'est qui la chanson. Du coup, pourquoi Peter il est mis à pied? Oh putain, ouais, c'est ça que je voulais t'expliquer. Ouais. Oh bordel. Oh la sacrée histoire. Tu vois le message, je l'ai envoyé à tout le monde. Tout me contacte. Et hier, à la course qui avait eu lieu dimanche, là. Ouais. Il y avait 8 ou 9 participants, tu vois. Oh, c'est bien. C'est mieux que la première fois où il y avait deux dont flics. Dans lui. Ouais. Ouais. Dans lui. Ah ouais, et, ok. Et du coup, lui. En fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai lancé le départ. Ouais. J'ai pris en photo tous les participants. Ok. J'ai lancé le départ. Et après, j'ai été à ma voiture et j'ai changé de radio. Enfin, j'ai pris un petit peu de temps pour faire les choses bien, tu vois, envoyer mes messages et tout. Ouais, carrément. Et j'ai fait, vas-y, je vais faire la course et je vais voir si je peux les rattraper avec ma voiture, tu vois. J'ai bombardé sa mère, j'ai doublé des mecs qui étaient sur le bord de la route.
Après, avant de rentrer sur l'autoroute, j'ai doublé une voiture de police qui contrôlait Nightshade. Et okay. Justement, c'était lui. C'était okay. Peter Paper. Oh merde. Et après, moi, je me suis fait péter. J'ai fait un petit à queue vite fait à cause d'une voiture là. D'ailleurs, c'était une voiture qui était au départ aussi. Mais vas-y, ça m'énerve. Je me suis arrêté. L'accélérateur, il marchait plus. Et je me suis fait arrêter pour ça. Okay, et du coup, le docteur Piper, il est sorti en même temps que moi que la garde à vue. Ok, ok. Voilà. Et du coup, il est encasé maintenant. Et du coup, il peut plus. Apparemment, ouais, voilà, il peut plus pratiquer parce qu'il est en casier judiciaire. C'est con ça. Par contre, le psy là, j'ai absolument pas envie d'aller le voir. Ça a l'air d'être un gros. Non, c'est lui le patron. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, il a pas l'air. Il a pas l'air rigolo. Hein. Ouais, les autres, ils ont l'air gentils, mais. Parlant de commode. Ouais. Vous voyez la différence entre une commode et une autruche? Ouais, je pense. Vas-y, dis. L'autruche c'est un meuble et la commode c'est un oiseau. Ouais, presque. C'est l'inverse, mais presque. Oh merde. Ah, c'est l'inverse, ouais. Ouais, c'est l'inverse. Putain. Tiens, moi j'avais une question. Vas-y, j'ai peut-être une réponse. Hein. Bah, peut-être t'as une réponse vu que tu travailles au quiz. Je me suis dit peut-être que tu vas pouvoir me répondre. Est-ce que tu sais de... Est-ce que... Alors, attends. On met la question dans l'ordre et puis je te ferai la réponse dans deux ordres. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je voulais savoir si tu saurais me dire de quoi une coquille Saint-Jacques se compose-t-elle. Pas mal, pas mal. Non, je saurais pas dire, ouais. Ouais, moi non plus, je cherche tous les jours, je cherche, je n'arrive pas à trouver. Je cherche. Oh, c'est cher. Ouais. Faudrait que je demande aussi à Riffa de joindre. Ça se trouve, il sera lui. Il a une sacrée tête de coquille. Coquillette. Ouais. Il a une sacrée tête de coquillette. Le 71. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, je sais pas. Tu as appelé la police, moi, si ça se passe comme ça. Hein. Ouais, pour leur dire quoi, que les gens ils ralentissent devant ton restaurant. Ouais, parce que j'aime pas ça. Ouais, je comprends, ouais. Non, mais l'autre jour, tu sais quoi, j'ai surpris un mec en train de vendre de la drogue devant la porte du restaurant, tranquille. Oh, on calme. Au calme. Ouais, ouais, j'avoue. J'ai dit, mais tu fais quoi, toi, là? C'était quoi comme drogue? Je sais pas, c'est de la poudre blanche. Ah ouais, non, pas cool. Ah, oh, d'ailleurs, faut que j'aille voir un truc dans la voiture. Tu vois quoi? Je dis pas. D'ailleurs, Emily, elle a toujours l'argent sale qu'on a de tout le monde, non? Ouais, c'est vrai, ouais. Ça faudra peut-être utiliser pour les. Tu vois ce que je veux dire, la clonerie. Ah, j'avoue. J'avoue, quand tu fais gagner 50 000 balles, hein, tu le fais gagner à l'argent sale. J'ai quand même pris 7 000 dollars. Hein. De quoi de. J'ai perdu 7 000 dollars d'amende. Ouais, comme moi la dernière fois. Hein. Ah, bah ouais. Bah ouais, sauf que moi j'ai pas payé. Moi non plus, j'ai pas encore payé. Ah, faut que je voie mettre mal en bas, mais ça fait un moment maintenant. Pourquoi ça. Faire mais par rapport au fait qu'ils aient pas suivi la procédure, j'ai toujours pas réglé l'histoire, moi. Ah ouais, bon courage, fait... hein, parce que ça fait au moins 2 semaines. Hein. Ouais, ça fait longtemps maintenant, donc je pense que je vais laisser tomber. Et moi, pareil, le mec qui m'a renversé, là, j'attends toujours. Hein. Les SPD, il dort. Hein. Ah ouais, non, mais... Compte pas sur les SPD pour mener une enquête. Hein. Bah ouais, c'est ça qui est problématique. T'as des problèmes avec des tics, c'est ça que t'as dit? Ouais, tu connais Atik. Non, je connais Atem. Atik, c'est un shooter. Atem et Hakim, et du coup, mélange, ça fait Atik? Non, y a pas... okay. Non, presque. Oh, pardon. Tiens, mais t'as bouffé quoi? Ah ouais, mais arrête de taper dans le poulet, hein. Avec 10 pâtes carbo et 10 pâtes bolo aussi. Mais t'as fini là ou t'as pas fini encore? Mon reste à 80 à vendre. Ouais, putain. Tu peux pas me relâcher 2-3? Ouais, si tu veux. On gratte. Bah, attends. Oh putain. Ah, vas-y, carré. Ah ouais, 2, hein, pas 3. 2-3. Hein. Ah, 2-3, ok. Voilà. Tu m'as dit du 3, je te donne du 3. Oh, hein. Non, mais c'est très bien. Merci beaucoup, man. Dans l'ordre. Quand t'es plus dans l'ordre. Ah,
Ah. Je me fais des petits dollars quand même. Hein. Tu vas aller faire quoi au quiz après? Je sais pas, discuter. Ah, apprendre ouais à connaître les collègues. Ah ouais, j'avoue. Et tout à l'heure, il m'a prêté son rebelle pour que j'aille pêcher. Oh, le rebelle de la forêt? Ouais. Non, de la rivière, okay, du coup. Ah ouais. Moi, je vais prendre mon speedo, du coup. Bah ouais, c'est pour ça que je veux m'acheter un cavalcade, moi. Cavalcade? Ouais. C'est pour cavaler? Ouais. Cavalcader? Ouais. Cavalcade, okay, mais le rétro. Ah, ma canne à pêche. J'ai deux cannes à pêche, même. Faut que je la rende à monsieur de Hookies. C'était celle d'Emily. Bah, rends-la à Emily, du coup, non? Bah non, elle l'avait emprunté, mais elle voulait plus pêcher après. Ah d'accord, ok. Oh, va lui dire qu'il est fermé le restaurant au monsieur là-bas. D'accord. Monsieur. Vous allez au restaurant? C'est fermé le restaurant, monsieur. Non, c'est fermé, je vous dis. Ouais. Tu veux de la weed? C'est sûr? Vas-y, tiens. Carrément. Ça va, Artem? Artem? Oh, ça colle! Je suis accroché à mon pantalon! Ouais, je vois ça, ouais, attends, je vais t'aider. J'ai le falzar, ça me tire le string là! Ah, pétain! Attends, je vais t'aider. Ah, oui, s'il te plaît! Ah, j'ai mal à l'intérieur du cul. Ça va? Ah, pétain! Tu peux te lever ou pas? Je sais pas comment j'ai fait mon affaire. Oh. Je sais pas non plus, mais. T'avais peur que je dise pas ou quoi? Quoi? T'avais peur que je dise pas? Qu'ils disent pas quoi? Que le restaurant était fermé. Ah non, rien à voir. Ah, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire une traction là, vite fille. Après, j'ai. Ouais, j'ai cru mon que. Mon pantalon il s'est accroché. J'ai cru que tu m'espionnais, t'avais pas confiance. Non. Non. J'ai voulu faire une traction. Aïe. Ah si, t'imagines même pas, je vais aller changer de pantalon, mais il m'est rentré dans le cul jusqu'à la nuque. Bah je vois parce que là, c'est tout, aïe. Il est tout craqué là. Crac. Ouais, ton cul. Ça fait mal. Regarde pas mon cul. Ah ouais, t'inquiète pas, hein, c'est contre mon gré. Hein. Bah te rends-toi alors. Bah ouais, mais bon. Pourquoi est-ce que tu vas lui rendre cette veste aussi, la putain? De quoi? À carreau. Oh putain. Mérite que je te ferme la porte sur la gueule. Bam! Aïe! Mais non! T'es bam! Tiens! Bam! Ah non, elle est trop courte celle-là. Un billet. Pareil, j'ai vu le Blackwood, ils avaient un nouveau patron. Une nouvelle patronne, je sais pas. Ah ouais? D'être une vieille pôle, machin. Bayview Lodge. C'est pas pareil? Bah non. Ah non, le Bayview, c'est la... Le Bayview l'avait ouvert, moi. Ah, c'est l'espèce de restaurant de merde qui est derrière, là. Ouais, il faut des pancakes, là. Des pancakes? Des pancakes. Ah, des pancakes. Ouais. Les pancakes, je me disais, ça doit être un peu sec, le machin. Des pancakes? Ouais. Peut-être en place. Enfin, je crois. En place la mi-part du cake. Ça fait un pancake. Je crois qu'ils font ça, ouais. Ok. Je crois qu'ils font ça, des pancakes. Bon, quand même, on reste là. Ah, c'est bon, mais c'est long, hein. 40. Ah, mais avec l'histoire du slip, là, ça m'a ralenti. Ah, je comprends. Il me reste 43. Tu comptes refaire une course bientôt ou pas? Ouais, je pense. Le truc, c'est qu'il faudrait contacter les gangs directement et les inviter sur la page de Clown. Ah ben... Directement comme ça, plus de ouais. Dark Chat. Faudra aller du côté du Béniz, il y a moyen d'en croiser 2-3 des man.
tu penses? Je sais pas. Et tu le crois truc, c'est que moi j'en ai déjà parlé aux Bloods là et ils se doutent que c'est moi. La dernière fois ils sont pas venus, toi. Parce qu'ils avaient préféré braquer une bijouterie apparemment. Ils se doutent que c'est toi? Alors ça fait. Bah ils m'ont pris pour un con en fait. Hein. Ils m'ont dit ouais, on va faire des achats à la bijouterie plutôt, on n'a pas le temps. D'accord. Ouais, d'accord. C'est ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois, je vois. Et tu crois qu'ils ont besoin d'être 15 pour aller faire des achats à la bijouterie? Non, mais. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Après, tu peux pas. Toi, tu proposes, tu peux pas forcer les gens à participer, quoi. Ouais, c'est sûr, mais ils m'avaient dit qu'ils viendraient. Puis en fait, ils sont pas venus. Ça. Bah ouais. Ah ouais, mais c'est trop étroit là. Du coup, faut que t'ailles à l'hôpital ou ça va aller pour tes couilles? Bah non, j'ai honte là, j'ai mal, mais ça va passer. Hein. Ok, ok. Tu penses? Ouais, je sais pas. C'est toi qui vois, hein, c'est pas mes couilles. Hein. Tu regardes, ah, tu regardes si elles sont bleues, c'est pas bon signe quand même. Ah non, ils sont pas bleus, je pense pas. Ah bah je sais pas, je veux pas regarder pour toi. Si tu touches, ça fait mal ou ça va? Bah attends. Ça fait un peu mal, ouais. Ouais. Ça va passer. C'est fermé. Aïe. Complètement con. Ah. Ça va pas, salope. Ah. Oh, chier. Ça va bien. Ouais, on a connu mieux, quoi. Putain. C'est quoi ce bordel là? Comme si elle avait pas la place de passer devant. Mais j'avoue! Dis-moi pas que tu vas faire pareil, toi putain de pédi là. Attends. Mais ferme ta gueule! Ouais, ta gueule, ferme ta gueule! Ouais. Aïe. Oh, doucement, doucement! Et pas de ça sur mon parking, s'il vous plaît! Pas de ça sur mon parking! Ah, oh, oh, putain! Allez, dégage de là! Dégage, je vais appeler la police! Aïe! Oh. Voilà! Ah ouais, mais du coup, ça fait pas propre là. C'est pas grave. T'as qu'à mettre la voiture, tu la gares et tu dis il a fait ouais, un malaise. Ok. Il a fait un malaise, le monsieur. Je l'ai garé un peu en décalé, comme ça cache. Ouais, ouais, t'inquiète. Putain. Ramasse ton chapeau. Ouais. Moi, j'ai pas envie de repartir à l'hôpital là. Le mec avec son chapeau là, je croyais que c'était le patron, moi. Bah non, je crois pas. Bah non, puisque c'était le mec sur la chaise, tu m'as dit. Ouais, c'était le mec sur la chaise, ouais. Attention, j'ai fermé les portes. Ah oui, bah très bien, merci.
Dexter Carré est arrivé sur place. Bonsoir. Bah, comment vous avez su? De quoi? Ouais, que... Bah, le monsieur nous avait agressé. Monsieur Ferron et monsieur Ivory, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, en fait, le monsieur, là, il est sorti de son véhicule, il a fait un malaise. Et puis en plus, il a cogné dans, la... dans le camion à mon collègue. Ah bah non, ouais. C'est pas celui-là, du coup. Le camion de Wingstop, il était garé là pour... Ouais, j'ai bien compris, voilà. Mais il est où la personne? Juste là. Voilà, là. Allongé à côté de sa voiture. Moi, je vois personne actuellement. Ah, ok. Okay. Ah, moi non plus. Hein. Là, vous... Alors, ça pue, là. Du coup. Là, vous voyez. Personne non plus. Alors, attendez, peut-être on va bouger la voiture, vous le verrez mieux. Je sais pas. Non, pas mieux. Non. Ah, c'était peut-être un concitoyen, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, ça explique ça. Mais c'est qui a appelé, du coup? Je comprends pas. Bah, ça doit être le concitoyen qui l'a appelé. Mais il était quand? Nous, on a reçu un message de 84 99 70 40. Ah si, c'est moi. Ouais. Quoi? Ouais, c'est moi. Parce qu'il a fait MLS, fallait l'aider, le monsieur. Ah, ok. Ok, ok. Bah ouais, bah du coup, c'est con. Bah ouais, là, rip à lui, hein. Oh, du coup, moi j'ai un peu mal à la mâchoire. Et moi au cul. Ah oui, toi au cul, toi. Ben, je pense qu'on va peut-être vous ramener à l'hôpital, du coup. Ah bon? Oh non. Oh putain. En fait, moi, si je vous explique, c'est que j'ai accroché mon pantalon en haut du camion et ça m'a fait un string. Du coup, ça m'est rentré jusqu'à la nuque, le pantalon, dans le cul. Ah oui. Mais il oui. est rentré dans le cul ou par le cul? Dans le cul. Non. Par le cul. Oui. Si t'es rentré par le cul, c'est ça quoi veut la dire... différence? Bah, ça veut... s'il rentre par le cul, ça veut dire qu'il ressort par ailleurs aussi, non? Alors. Bah, je sais ouais. pas moi. Non, mais c'est à dire que, en fait, mon pantalon, il m'a fait un string. Regardez, il est tout déchiré. Là... Ah oui. Oui, là, ouais. Regardez. Là, tout. Vous voyez là, ah le oui, gros ça trou. Ça fait une sacrée fente là. Ouais, ça... Oui, ça c'est. Voilà. Pas besoin de prendre autant, hein. Non, non, mais c'était pour vous soyez oui, sûr. Oui, mais le visuel c'est bien, l'odeur c'est pas bien. Ah mais j'ai une mauvaise odeur. J'ai ah pris bah... ma douche quand même. Hein. Ah bah y'a l'odeur qui a fouetté d'un coup, hein. Non, c'est pas vrai, ça c'est le poulie. Je crois pas que ça soit c'est le poulie. C'est l'odeur du poulie, ça, si, je crois. Non, non, comme Bill, quand il va aux toilettes, c'est la même odeur. Ah, c'est qui, Bill? C'est le maître de boule. Ah ouais. Ou c'est l'inverse, ah, c'est je sais le, plus, le ou c'est le chien. Ou c'est le chien de boule, je sais plus. Venez avec moi, on va voir plus. Ce... Vous donner ce qu'il faut. Pour vous, votre mâchoire, vous avez mal où et comment? J'ai mal quand on m'a pris un coup de poing et du coup... on va s'écarter du juste. Coup, j'ai mal à la mâchoire. Asseyez-vous à l'arrière de l'ambulance, je vais regarder ça. Je vais vous donner du coup une crème, d'accord, à appliquer dessus, sur la oui, rétro-fesse. Wow. Une crème sur la rétro-fesse, mais qui c'est qui va me l'appliquer? Ah, tu te débrouilles, hein? Moi-même. Exactement. D'accord. Okay. Et comment je l'applique? Aïe! Comme ça? Ah. D'accord. Bon. Voilà, vous l'appliquez très impactement directement dessus, d'accord? Okay. Avec deux doigts. Ah oui, deux doigts, pas plus. D'accord. Non, pas plus, après ça s'étale de trop. D'accord. Et pas un doigt, hein, comme après. Non, ils ont pas compris, c'est non. La pommade froide ou chaude? Du coup, on leur donne notre petit truc à nous. Ah, c'est chaud ou froid, du coup? C'est de la pommade froide. D'accord. C'est des glucoflénac? Exactement. Vous okay, connaissez d'accord. La marque? Oui. Je vais mettre un petit peu de pommade, ça ouais. devrait passer. Ok, pardon. Ouais. C'est pas méchant. Ok, alors attendez, je prends mon calepin. Allez-y, oui. Vous l'avez fait tomber. Bah non, je l'ai pas fait tomber. Si, comme moi, Emile. Ça faisait au moins deux mois que je t'ai pas venu, et puis là, du coup, deux fois en un soir, quoi. C'est des choses qui arrivent.
quelle heure de sortie suite. Nickel, à appliquer pendant 3 jours et... 3 jours supplément. Bah oui, hein. Faut éviter l'irritation. D'accord. Et si j'ai l'irritation ça va mieux. Ouais, ça va. Ouais. Et si au bout des 6 jours consécutifs, vous avez encore des douleurs ou des irritations, des sécheresses, des brûlures, vous venez directement à l'hôpital. D'accord. Oh, j'ai changé de pantalon. Aussi. Tenez, c'est pour vous. Oui, ouais. Ça, je écoutez, pas vous faire hop, tenez, c'est pour vous. Hein. Ah bon ? Merci. Ça, c'est pour vous. Merci à vous pour le déplacement. Merci. Pas de soucis. Nickel. Juste vous donner ça pour vous. Oh, bien sûr. Oh, je me décale. Ils veulent pas ouvrir le Sunrise là, sérieux. Nickel. Bon, bah, on va vous souhaiter une bonne soirée à vous et bon rétablissement. Hein. Merci. Bah, bon courage à vous. Hein. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Tu sais mettre de la pommade toi, Ivory, ou pas? Ouais, mais pas sur ton cul, man. Ah merde. Reste pas devant. Je suis pas devant, je suis à côté là. Ok, ok. Bon bah il est mal le man. Hein. Tiens. Putain j'en ai faire la même. Attends t'as encore changé de bagnole? Mais non. Quoi mais non? Ah non t'as changé la couleur encore. Bah oui. C'est original ça noir et noir. C'était pour être pas visible à la course. Ah ouais, d'accord. Tu captes, Evory, ouais, captes. Ouais, je capte. Vas-y, tes commentaires. Tu captes ou pas captes? Ouais, je capte. Je vais aller chercher mon speedo, moi, Tigo, si on va au quiz. Ouais, ok, ben vas-y. C'est au garage près du club du club. Ok. Après, il répond pas. Qui? Marshall. Donc, ça se trouve, il y est même plus. D'accord. Bon, on va voir. Ouais. Les trucs qui apparaissent pas, là. Oh, tu décales ton speedo, je veux voir un truc. Ah ouais, excuse, attends. Attends, je décale. Merde, j'ai pas vu plus trop. Oh. Oh, j'ai un souci là. Ah, c'est compliqué là. C'est court.
Ça va. Je vais repasser au sunrise voir. Quoi? Je vais passer au sunrise voir s'il y a quelqu'un et puis après on se rejoint là-bas. Au sunrise? Non, au Wookies. Ok, vas-y. Non, comme tu veux. Ouais, si tu veux mettre radio. Oh putain, attends. Je l'ai pas, attends, je vais la récupérer. 54. Ouais, ouais, je vais la récupérer. Plus qu'on... Hop. Ouais, tu m'entends radio là? Ouais, ouais. Bah vas-y, carré. Hein. Je vais... du coup, j'y vais. Ok. Émotionnel est bien instable. Le bat signal, ça je reconnais. Faire des doigts, c'est con ça. Vas-y, vas-y. Voilà, toujours personne. Message. Une photo passe de loin, j'ai cru qu'il y avait déjà un baiser dans le sunrise. Quoi? Alors regarde la photo. Regarde la photo, tu vas comprendre. C'est une table basse. Ah ouais, c'est une table baise. Une table basse pour la baise, ouais c'est ça. Je suis
suis en train de me rendre en direction du Wookiees. Eh ben, je décolle. Ok, Voré. À tout de suite. Bisous, bisous. Vas-y, Wookiee. J'ai les flics au cul, putain. Juste un foutu. Moi, j'ai pas. On les manne ou quoi? Ouais, j'ai croisé plein de motos. Ah bah on est pas loin l'un de l'autre alors, je viens de les croiser aussi. Ouais, il est tourné vers le vers la ville. Tu t'es changé? Putain, mais c'est... Ah ouais? Bonsoir. Bonsoir. Ça va et toi? Ça va, ça va. Oh bah ça va, t'as du monde, tu t'ennuies pas? On dérange peut-être. Ah bah c'est à thème. Putain, ah mais c'est ouais. Monsieur Tondeuse à Kiwi. Oui, c'est moi-même, ouais. C'est quoi cette histoire? Je te raconterai, Voré. Ah bah j'ai hâte hein. J'étais sur le marché en fait. C'est une sacrée histoire hein. Tu lui as raconté l'histoire du pantalon dans le trou de balle? Non, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Juste pour faire les présentations, je te présente madame la vice-gouverneure de l'État. Enchanté. Je te préviens en fonction de... Ah, c'est l'ex à Jason. T'as envie de faire, toi. On a fait une sortie au tourbus, me semble. Bah oui, et c'est là que vous m'aviez raconté votre malheureuse histoire de tondeuse à kiwi. Mon rappel, c'est pas besoin de ressasser. Non, mais en plus vous aviez dû aller à l'hôpital parce que vous aviez des petits soucis. Ah ouais, c'est triste. Si le docteur Piper, il m'avait appliqué de la crème.
C'est vrai. Ah bah, ça arrivera plus visiblement. D'ailleurs, ça arrivera plus, ouais, je pense. Pourquoi? Parce que le Dr Pepper, il a été mis à pied. Merde. C'est qui le Dr Pepper? C'est le plus gentil des docteurs. Dr Pepper, ouais. Dr Pepper. D'accord, mais parce que bon. Du coup, il doit avoir un autre nom, non? Non, c'est Peter. Bah, je crois que c'est Pepper. Non, Peter. Non Peter. Bieber. Non, Peter. Ah, Peter. Ouais, Peter. Je confonds toujours. Je le connais pas, celui-là. Moi non plus. Et pourquoi il sera plus docteur, lui? Parce qu'il, apparemment, parce qu'il est mis à pied, apparemment. Ah. C'est-à-dire qu'ils lui ont supprimé tous ses véhicules. Ah, merde. Ils lui ont mis un 15e à la place. Ah ouais, d'accord. Ou ouais, ils auraient pu lui mettre des roulettes. Hein. Il serait allé plus vite. Il a pris un casier, pourquoi ce docteur? Bonne question. Bah, pour mettre ses affaires, je suppose. Mauvaise pratique de la médecine, ou... Très bonne question, je sais pas. Ah, je sais pas non plus. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a porté plainte pour massage et dit que oui. Ah ouais, d'accord. Mal réussi, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pas du tout. Non, docteur Pepper, c'est un copain. Il était pétillant, je suis sûr. Ouais, plutôt, ouais. Un peu un goût du cerise. Je sais pas pourquoi. Moi, j'adore ça. Ah ouais, putain, je trouve ça dégueulasse. J'adore. Moi, je préfère le coca vanille. Oh non. Oh, quel enfer! Ah, j'ai envie de vomir là. Le coca vanille que le docteur Pepper, parce que le root beer, c'est vraiment dégueulasse. Ah ouais, le coca vanille, franchement, je peux pas. Hein. Bah, je préfère pêche, le docteur Pepper. Ça existe, ça? Ouais, ouais, ouais. Franchement, si, ça passe pas mal. De quoi? Je connais pas le coca pêche. Coca pêche? Bah ouais. Moi, je connais coca pêche, mais... Pêcheur. On dirait une danse. Vous êtes pêcheur. Ils le font en zéro. Il y a coca pêche, coca framboise, ouais, coca citron. Vrai. Moi, je préfère le coca light. Ouais, toi, t'aimes bien penser du coca light, hein. Oh, j'allais voilà. J'allais dire, vous voulez pas qu'on change de sujet? Coca black aussi. Je vous ai tendu la perche. Ah, bah voilà. D'ailleurs. Alors, monsieur Marshall, coca black, raciste, pas raciste, les deux. Oh, on recommence. Allez, c'est parti. Mais non, mais c'est au café. Comment ça peut être les deux? Bah, c'est le jeu. C'est raciste, pas raciste ou les deux? Ouais, c'est expression raciste ou pas raciste. C'est ça. Je suis en train d'essayer d'inventer un jeu. Bah ouais, mais ça. Oh, on va le breveter ensemble. Hein, ouais, je pense. Il y avait la Emilie là qui avait emprunté une canne à pêche au Kiz. D'accord. Elle m'avait missionné de vous la rendre. Oh, je sais pas ce que... Ouais, bah, je vais la mettre dans le coffre, je pense. Merci. Tenez. ok. Le retour de la canne à pêche. Mais vous l'aviez rangée où, votre canne à pêche? Une télescopique. Bah, dans mon sac. Ah. Ah oui, les petites télescopiques, là, c'est sympa, ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour regarder la lune en même temps, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est les cannes à coups pour pêcher. Bon, en attendant, vous êtes venu, mais il y a personne qui. Je viens de voir défiler 25 personnes dans le Wookiees, il y a personne qui a acheté d'appât. Bah, dis moi ça, je viens pour ça, alors après. Bah, moi je veux pas acheter des appâts. Hein. Non, bah toi non, Ivory. Ah, mais non, c'est vrai, tu m'en as donné. Moi j'en ai acheté la dernière fois déjà, je crois que je pourrais pas emporter plus, je m'étais déjà bien. Je m'étais déjà bien. J'ai demain, soulagé sortie pêche, sur vous, mais 23h, tu dis ça. 23h, tu veux pas faire plus tard pour être sûr qu'il y ait personne? Bah, le bateau il est toujours plein. Hein. Moi demain soir je serai pas là, évidemment. Hier je rate, demain soir je rate. Bah, hier j'ai raté aussi. Putain. Moi aussi. Donc demain soir, 23h. Demain soir, je rate aussi. Je oh, 23h, ça va être juste. J'ai la chambre des représentants. Bon, j'expédierai. À quelle heure? Bah, c'est à 21h. Bon, après, je dis 23h, le temps que le bateau parte, il est 23h15. Ouais, bah, en fait, moi j'ai le. 15 fois sur le ponton encore. Ça dépend. Vous avez des Maître Malambas qui vient à la sortie pêche ou pas? J'en sais rien. Et je crois qu'il vient jamais, lui. Bah, je vais l'appeler. Non, il pêche pas, lui. Hein. Si, il est venu acheter des appareils, genre. Moi je veux bien. Parce que vu qu'il est à la chambre des représentants aussi, on pourrait être deux à essayer d'accélérer le truc. Ouais, s'il vous plaît. Bah non, on va y aller, hein, du coup, au cas où. Ouais, force. Au cas où quoi? Bah je dois assister à une formation, une réunion, je sais pas comment dire, et c'est à 22h45. Oui, mais d'un point de vue animalier. Ah ouais, ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais. C'était quoi la dernière fois que vous m'avez dit? Moi? Ouais. Ah, vous avez bah, fait une blague, ça m'avait fait beaucoup rigoler. J'en ai fait beaucoup des blagues, moi, cher blagueur. Bonsoir. C'est vrai. Bonsoir. Merci. Comment ça va? Oh, ouais, c'est le capitaine Crochet. Oh, bah oui. T'es en voilà pour toi. Bah, oui. Je te fais la facture, ça va, t'as la carte du club. Je suis venu régler ma facture, capitaine Crochet. Ah bah super. Du coup, c'est fait. Vous avez eu votre carte? Oui, je l'ai reçue tout à l'heure, c'est pour ça que je suis venu régler, voilà, justement. Putain, incroyable, nickel. Eh bien, vous aussi, monsieur les agents, vous en avez pris, j'espère.
Vous avez pris une carte, j'espère. Carte de membre de l'Utis, voyons. Ouais, pas du tout. Ah bah, il faut pas hésiter. Ouais. Après, c'est bon, c'est qu'on fait pas. Je vais t'expliquer, Igor, comment tu fais pour vendre des impostures. La... Ah oui. Bonsoir. C'est bonsoir. Hyper simple. Tu vois, là où tu es critère... Demain soir, il y a une sortie pêche. Oui. Accompagnez-moi, messieurs. Vous, un truc marqué particulier. Eh bien, allez. Allez. Voilà. Et ben 23h demain, vous venez avec moi. Ouais. Tu vois, bah, tu mets la date, nickel. Tu mets ton nom, le nom de la personne, oui, parce qu'on il faut qu'on contrôle que... Là, on va faire comme si c'était toi qui les avais vendés. Donc tu mets la date, ton nom. Crochet, il est assez bon. Oh, ça va. Oh attention, capitaine. Donc tu mets un thème. Je vais m'occuper, ça va être un thème. On continue en avant du déjà vin. Déjà que monsieur Marshall, tout à l'heure, il a dit qu'il voulait bien être ma babysitter, mais qu'il fallait que je me méfie de ce qu'il va mettre dans mon bureau. Sauf qu'il y a une toute petite particularité concernant le thème. Il a la carte. Il a la carte, donc okay. Il les paye, $80, il les paye 70. C'est du petit lait, capitaine. Voilà. Donc du coup, ça fait 1400. Donc tu changes le 1600 en 1400. D'ailleurs, je vais donner des trucs pour vous, mais alors, faudra qu'il vous les... Je vais tout péter. Non, je t'inquiète, t'inquiète. Oh, c'est honteux. Il a dû garder ça pour lui. J'avais une question pour vous, voilà. Monsieur okay. Donc là, si tu regardes sur ton salaire, la moitié de cette vente, elle vient de te revenir. Vous me répondre. Enfin, je sais pas. Ouais, d'accord. Ouais, dites-moi. Ok, bah merci. En fait, rien de bien compliqué, donc quoi, si à un moment on n'est pas là, t'as envie d'ouvrir, tout ça, tu... Ouais. Mais on fait pas un restaurant. On vend un peu aussi, viens voir. Bravo. J'aime beaucoup. T'as trouvé ça où? Bah en fait, je voudrais juste savoir si ça m'intrigue. Donc ici, là, t'as tout ce qui est snacking. Ah ouais, d'accord. Et on vend pas grand-chose, tu vois, limonade, iced tea, des shooters de whisky et des chips. Ok. Si tu vends ça, tu vas dans le tableau, pareil. Oui, et en fait, vu. Quand tu mets ta quantité, ça va te donner le prix, parce que les prix, moi, je m'en rappelle jamais de tête. Je crois que de d'accord. Mémoire, par rapport au prix où on les achète, là... tu vois, la limonade, on l'achète $20, je crois qu'on la revend 30, et les shooters, je crois qu'on les revend 40, je crois. Mais bon, tu vérifies avec ce que ça te dit dans le bordel du tableau, tu vois. Ok, bah pas de soucis, ouais. Là, tu vois, il y a 10 motards qui viennent de passer, qui voulaient du whisky. On fait pas vraiment resto, mais bon, s'il y a quelqu'un qui veut bouffer ou à boire... C'est dommage quand même, avec tout, on pourrait même faire salle de concert. Ouais, tu vois, mais bon, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait l'envie de s'en occuper. Et, ouais. Je crois que c'est ni mon cas, ni celui de Kinan. Ouais, je comprends, ouais. Dans le langage courant, la oui, coquille s'est peut-être. Ouais, non. Une noix une fois découquillée. Bonne soirée. En réalité, ce mollusque bonne soirée. Est bonne soirée. Le muscle principal, le muscle demain, et le ouais. Corail. Bonne soirée. Très bien. Tais-toi, t'es bon sang. Le muscle est la partie noble de la Saint-Jacques que nous consommons. Qu'est-ce que tu racontes? Salut Marshall. Antoine, tu demandes de quel truc se compose-t-elle? Okay. J'ai été faire un tour au surplus de l'armée tout à l'heure. Le capitaine, il sait peut-être la différence entre une armoire et une autruche. Aucune idée. Mais l'armoire c'est un meuble et l'autruche c'est un oiseau. Bien vu ça. D'accord. Tu m'entendais à quelque chose d'un peu plus subtil. Pourquoi faire subtil quand on peut faire évident? Ah bah attends, si tu je veux... Suis dégoûté, attends, je j'ai du subtil. Les soirées pêche du si semaine, tu veux, j'ai... Si tu veux j'ai du subtil. Tu sais pourquoi les pédophiles ils aiment pas les jeux de société? Ah, mal à la gorge. Dommage, elle était rigolote celle-là. Un thème. Voilà. Du coup, il est où le bestiau là? Qui ça? À vous tous et tous aussi? Non, moi ça va. Ah. Les bestiaux. Marshall, t'as pas eu de la semaine dernière toi? Si. Si? Si, ah, si. Bon, non, je l'ai pas eu, non. Ouais, non, je l'ai pas eu, c'est vrai. Ouais, non, si, je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu, je l'ai eu. Bon, ouais. T'es passé employé. Non, je disais, t'as pétaine. Oh, carrément, merci. J'ai raté toutes les sorties pêche cette semaine, je vais pas être là, je suis dégoûté. Pourquoi tu vas toutes les rater? Bah, parce que je suis pas là, je suis absent. Mon capitaine, j'avais une blague subtile. Ouais. Tu sais pourquoi les pédophiles ils aiment pas les jeux de société? Pourquoi? Parce qu'ils aiment pas quand il y a des règles. Oh, oh mon Dieu, c'est que ça. Là, c'est pas vrai quoi. Ah Evory, t'abuses. Oh putain. Oh ça t'abuses, va. T'abuses Evory. Oh ça va, oui, tu m'as demandé du subtil, je te donne bon, du subtil. Ouais. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses d'augmenter la limite d'un pas par jour? Je voulais te... Augmenter ou la baisser, je sais pas comment... Moi, je voudrais le limiter à 5 par jour. Quoi? Wow. Oui, toi, tu veux couler la boîte, toi.
Non, je déconne. Moi, je pense que 30, ce serait pas mal. Ouais, 30, c'est ça. 30 par jour. Mais 35. Bon. On coupe la poire en deux. Non, 35, je pense que ça risque de faire trop. Ça commence à faire beaucoup après. Hein. Mais 30, c'est beaucoup, hein. Bah 30, c'est beaucoup, oui et non. Moi, tu sais quoi, je verrais le truc différemment. J'ai pas d'abus, j'ai pas entendu d'écho, du coup, je me permets d'augmenter pour voir un peu ce et que ça. Et est-ce qu'on n'augmenterait pas uniquement pour les gens qui ont la carte? Bah, c'est ça, justement, oui, voilà. La carte kiwi. La carte kiwi. Quoi? Par rapport à un thème, ça aussi? Ouais. Ah, d'accord. Pour les gens qui ont la carte, pourquoi pas, ouais, augmenter à 30, moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Ouais. Bah, écoute, ça limite la possibilité d'avoir de l'abus. On va taper un coup de quelque part et tout, il n'y a pas une table, oh, quelque putain, chose. Putain, attends, et Ivo, il y a un truc que je t'ai pas expliqué, c'est comment faire une facture. Ah ouais. Faudra que je t'explique. Ouais, est-ce que vous vouliez des appâts? Ouais, ils veulent des appâts. Bien évidemment. Bah, s'il te plaît. Bah, c'est Ivory qui va vous faire les factures. Ce petit lac, c'est justement l'onglet particulier. Là, oui, tout à fait, j'en viens de vérifier. Oui, ouais, okay. je lui ai fait faire la vente de Atem à l'instant. 20 chacun, du coup. Ouais. Peut augmenter à 30 s'ils veulent 30. Hein. Ah bah 30 alors. Hein. Bah, je vais faire des allers-retours du coup. Non, mais William, c'est juste parce qu'il veut que son coffre soit utile à quelque chose. Quoi. Bah allez-y, hein, si vous avez voulu, hein, ils vont vous dire rien. Allez. Moi, bon, on va faire une petite sortie tout à l'heure, pourquoi pas. D'accord. Pêche ça? Ouais. Sympa. C'est sympa. Du coup, monsieur. Camille. Alors attends. J'ai la carte. Vous avez la carte. Alors attendez. Ouais. La carte c'est gold. La carte. Ah, oh, vous avez des donuts. Ouais. Des donuts. Ils sont super bons en plus. Hein. Par contre, ils sont sucrés. Hein. C'est addictif. Tu les mais manges très vite. Alors pour info, Camille a la carte. Ouais. Non, je plaisante. Ah, par contre, faut que je fasse un clin de tête du coup. C'est 2500. La dernière fois que j'en ai pris un, je pouvais pas m'arrêter de le manger, quoi. Bah ouais. Ah ouais, et quand on avait plus, vous avez fait comment? Ah bah j'ai mangé les miettes, hein. Attends. Ah ouais. Attendez, je note tout ça. Allez-y, prenez votre temps. Ah. Si t'as une question, Ivory, tu nous dis. C'est bon. Regarde, ça commence, il peut plus s'arrêter. Bon, allez, moi, je suis en prenant. Moi, ça a l'air bon, là. Tenez. Ouais, servez-vous. Oh, nickel. Moi, je vais prendre celui-là avec les pipites dessus. Mamie, il est très bon. Celui-là, c'est des pipites. Ça se voit que ça fait quelques jours qu'ils sont là. Oh oui, c'est... Ils sont secs. Un peu chocs. Ouais, j'en prends un aussi. Ouais, j'en... Je me suis mis au chocolat. Je prends mon verre quand même. Je me fasse. Comment pour le gauche. Ah oui, c'est sec. Et donc, tu vois, là, tu viens de gagner quasiment 1200 balles. En plein, je vais faire ça. Du coup, tout le monde en veut ou pas? J'en ai plus que 15. William, s'il en veut 30, celui avec le t-shirt rouge. Ouais, t'es chouji de coupe, quand même. Ouais, c'est pas... Ils sont rentrés. Oui. Je suis avec ça. Le monsieur en rouge, c'est ça? Ouais. Exactement. Alors. Donc quand tu connais pas les noms, soit tu leur demandes, et soit tu prends leur pièce d'identité. Ouais. Tu vois, le truc de base, quoi. Du coup, votre nom, s'il vous plaît? Nate Williams. Alors. Ah, vous avez déjà gagné 150 par vous, non? Tenez. Non, c'est Tommy qui a gagné 150, je crois. Ouais, bah j'ai gagné un jet ski. Ah, ça va, tranquille. Comme s'il avait besoin de ça, celui-là. Clairement. Je vais le filer à Kim, d'ailleurs. Moi, j'ai acheté 10 tickets et j'ai rien gagné. Le jet ski, je vais te le filer, j'en ai pas besoin. Oh, la chance. Et moi, tu me files quoi? De l'argent? Rien du tout. Et moi? Connard. Moi? Je vais faire la facture. Allez-y. Connard. Tu veux quoi, Marshall? Et voilà pour vous. Je voudrais bien. Qu'est-ce que je pourrais voilà. Demander ben, nickel. Je veux un quad. Fais gaffe, je pourrais te prendre au mot. Non, je déconne. Madame, vous voulez des appâts aussi? Ouais. Ok, je vais chercher ça. Quoi que ça.
On parlait des... Comment ça s'appelle ? Oh, merci Kim, ça me touche beaucoup. Tu sais qu'en plus, il y a un gros coffre, hein, 75 kilos. Ouais, c'est correct. Il y en a 200 dans le rebelle, alors c'est quand même plus pratique le rebelle. Oui, mais vous... Moi, Stallion, elle a que 50 kilos. Du coup, c'est quoi votre nom, s'il vous plaît ? Je sais pas ce que c'est, Stallion. Je vous donne ma carte d'identité, parce que c'est un peu... Stallion, ah, bah, allez, allez, c'est laquelle ? C'est la décapotable, Stallion ? Oui, c'est ça. Ivory ? Hop, tenez. Ivory, te fais pas chier avec Kim dans les registres, on écrit juste Kim, on met pas vraiment son nom. Ok, d'accord. Bah, te fais pas chier. Le capitaine, il fait pareil, je crois. Ouais, je fais pareil. Ah, pourquoi ça ? C'est étrange ? De quoi ? Non, c'est pas étrange. Il y a des privilèges. Non, venez. C'est bon. On se comprend. La facture d'un suite. C'est quoi, c'est King ? Vous avez la carte, hein ? Jiang, Jiang. Kim Jiang. Ching. Ching Jiang. C'est Ching Jiang. Ching Jiang. Ouais. Vous aviez la carte, j'ai même pas vérifié. Verre, oui, oui, j'ai la carte. Okay. C'est ouais, ça, ouais, c'est Chin. C'est Chin. Chin. Comme à l'apéro. Chin. C'est ça. Il y a un J à la fin. Chin. Oui, c'est ça. Chin. Bon, ok, c'est Kim. C'est bon. Oui, c'est Kim. C'est voilà. Pour ça, c'est Kim, c'est mieux. Ça me fait penser au chanteur Ting. Est-ce qu'il y a sur les photos là-bas ? Le gypsy, tu parles ? Ouais. Le gypsy Kim. Aïe 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 aïe. Oh là là, il m'en veut si bon, je l'éclate. Volare cantare, hein. Je crois que le capitaine, il en a trop marre de travailler avec moi. Il va nous faire une dépression bientôt. Ah ouais ? Ah oh, ouais, il ira voir le psy. Hein. Ah, bah la psy c'est Kim en plus. Ah ouais ? Ah mais voilà, c'est à vous et que vous j'ai amené Emily. Le Dr Piper dans le sud, il a été mis à pied. Qui ça ? Le Dr Piper. Peter, je sais pas qui c'est. Ah oui, j'ai appris des noms. Non, mais je Peter. Pas que j'ai hier. Mais non, Peter. Peter, oui, Peter. Comment ? Je crois pas que j'ai assez de place sur moi. Vous avez appris quoi ? Pour les potins. On veut les potins, nous. Bah, c'est Ah oui, oui, c'est toujours moi qui les ai, effectivement. C'est rien de très intéressant. Vous en avez on pourrait les mettre à ma voiture. Bah, allez, venez, on va le faire de suite avant d'oublier. Oui, bon, c'est pas grave. J'aime bien tout ce qui est rien de transcendant. Bah rien, un médecin qui m'apprend à conduire. J'ai pas entendu, ils ont dit pourquoi il a été viré, Dr Pepper. Bon, il a pris un 15, il a pris une mise à pied. Ah ouais. Mais c'est qui ? C'est quoi son vrai nom ? Non, c'est Peter, son prénom, mais je connais pas son nom de famille. Ah, il était psy ? Oh, je sais pas, je connais même pas. Il était docteur. Je crois qu'elle est ouverte. Hein. Dans le sud, hein. Ouais, oui, oui, bah, de toute façon, dans le nord, là, vous avez tout effectif. Ah, j'ai une question d'ailleurs. Oui. Vous êtes psy, vous dites ? Oui. Si je vous amène quelqu'un qui n'est pas consentant, est-ce que vous pouvez la soigner ou pas ? Pas du tout, moi il faut que ça vienne d'elle. Hein. Oh putain de merde. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Salut Kiroz. J'ai ma copine, elle est un peu tarée et elle me fait flipper. Un peu tarée ? Ouais, ouais, ouais. Bah, vous la connaissez peut-être, Emily ? Emily Belle ? Oui. Elle me raconte des histoires de psychopathes. Mais c'est pas une expression, vraiment des histoires de psychopathes. De mecs qui tuent des bébés et qui s'en servent de bordules ou des trucs comme ça, quoi. Ah ouais. Voilà. Et c'est bizarre. Et elle, ça la fait rigoler, moi ça me fait flipper. Vous avez essayé de lui en parler ? Bah ouais, mais elle comprend rien. Et puis maintenant, moi au début, je voulais la quitter, mais déjà quand elle est amoureuse de moi, elle met des coups de couteau, alors j'imagine pas, quoi. Faut aller voir la police. Bah ouais, enfin du coup elle me met des coups de couteau quand elle est amoureuse, alors si je vois la police, elle va me tuer quoi. Mais vous lui avez dit que ça vous faisait peur. Oui, je lui ai dit ouais. Vive Johnny, c'est l'Amérique, rock'n'roll. Mais après elle croit que je suis un psychopathe aussi, mais c'est pas vrai. Ils ont rien cassé ? Non, ils ont rien cassé. C'est compliqué quoi. Mais c'est des cassos. Ouais, je leur ai offert les muscles qu'on avait dans le coffre là pour qu'ils se barrent, puis ils croyaient qu'on était comme le Yellow Punk, tu vois, donc je leur ai dit tenez, je vous donne du whisky, puis c'est bon. Faites de la place pour Kim là, elle est exclue du cercle. Faut agrandir le cercle de Zizanie. De Zizanie ? Ouais, puis mets-toi devant moi, je te dirai rien. Moi, je suis devant toi, pardon, vas-y. Ouais, susceptible. Hein. Tu sais pourquoi on appelle. Tu sais ce que c'est le deuxième nom de la césarienne ? Non. Moïse. Non, Moïse, parce que ça coupe la mère en deux. Aïe. Une blague de médecin. Ouais, ça. Elle est pas mal. Ouais, ça fait mal. Hein. Moi, on a engagé un clown en fait. Hein, et ça vole haut ce soir. Ça fait plaisir. Du vivre son. Écoute, j'essaie de distractionner les gens, moi, un peu.
Oh, bah, c'est bien. Tractionné. D'ailleurs, vous avez vu que je loue mon bateau là. D'ailleurs, tu as payé. Ouais, parce que tu sais pas quoi en foutre. 320 000. Oh, c'est pas, ça va. Et c'est bah, putain, ça paye patron du Wookiees. Bah ouais, ouais, bien sûr. Mais je crois que c'est un des seuls où il y a 4 places. Hein. Comment tu fais? Parce que je vois, tu remplis jamais le coffre. Hein. Bah écoute, vous avez des primes, j'ai des primes aussi. Hein. Ok, ok. Et il est payé sur les dividendes. Bah ouais. Ça, vous pouvez pas dire le contraire que vous avez des primes. Quand même. Ah non, moi je dis rien. Ah oui. Moi je dis rien non plus. Un peu plus conséquent. Bah faut bien défiscaliser un petit peu quand même. Bah oui. Sûr qu'il a acheté le bateau sur la société sûre. C'est quoi les fiscalisés? Défiscalisés. Ça me dit pas plus ce que c'est. La facture du bateau, j'ai vu, est marqué matériel informatique dessus. On voit un ordinateur ici. Bah, techniquement, je pense qu'il y a un GPS sur le bateau. Mm-hmm. Ah ouais. Oui, il y a clairement un GPS. Bah, après, c'est un peu exagéré, quoi, de... Bon, bah, acheter un bateau pour le Wookiees, c'est bon, ça tient la route. C'est comme Nate, ouais. Il dit qu'il a acheté une ambulance, quoi. Après, acheter un bateau juste pour le GPS, bon, ça va se voir, quoi. Ça dépend, franchement, ça peut être pratique, mais faut que t'aies un mec dans la remorque derrière pour qu'il t'indique la route. Attends, il y a une meuf qui va se suicider du haut du rocher ou quoi, là? Hein? Ah oui. Ah non, ça va, elle descend par le chemin. Putain, j'ai eu peur. J'ai vu passer aussi, ouais. Putain, j'ai cru qu'elle allait sauter de la falaise, quoi. On a déjà traversé l'autoroute. J'ai traversé l'autoroute à pied, j'ai fait ses sports extrêmes. Ne mourrez pas, ça fait trop de paperasse après. Blessez-vous seulement, c'est pas possible. Voilà. Un peu de vie dans l'hôpital. Vous avez le droit de vous blesser si vous le voulez, mais ne mourrez pas, c'est trop de paperasse. Il y a de la place au Wookiees, hein. Je comprends. Voilà. Ah mais non, mais faut repasser la waitlist. Foutre le bordel. Non, okay. Pas foutre le bordel, en fait, ils ont mis de la musique, et puis ils ont gueulé comme des gros beaufs, et ils se sont barrés, quoi. Ça. Que Johnny. La routine. Ah, rien de... C'était pas passionnant, quoi. Ça aurait été drôle qu'ils croisent les Lost qui se garent, là. Ah, j'aurais beaucoup aimé. Non, ouais. ils ont croisé la vice-gouverneure, par contre. Ah. Ok. Ils l'ont pas fait chier. Non, mais par contre, elle les a un peu envoyés chier. Bon bah elle a alors, caractère. Elle leur a dit qu'ils étaient lourds, qu'ils se fait les a à moitié envoyés chier, ils se sont barrés. C'est ça qu'il faut. Heureusement. Ouais. Bon du coup, une petite sortie en mer, là, ça vous dit, là, après? Après, là? Pourquoi pas, hein? Ah ouais, non. Pour toi, non. Bah oui, t'as vomi la dernière fois aussi. Et puis tu t'es cogné la tête en sautant et t'as fini sous la flotte. Ouais, c'est surtout ça. Et puis Camille est venue te faire du bouche à bouche. Ah ouais? Oh putain. C'était pas du bouche à oreille. Bonsoir, Hoover. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Hoover. Ça fait un peu lèche-cul quand même. Il est fermé, non? Attendez, il est où, monsieur Hoover? Ah, tu viens de nous aider à déprimer. C'est en radio, là. Ah bon, putain. Et vous, c'est... Pardon, radio. Et vous m'avez fait peur, j'ai cru que j'étais en bas de trip total, là. On tape dans le whisky du coin, frère, je reconnais. Ouais, mais j'étais surtout en train de me dire que soit j'étais fou, soit ils voyaient des gens qui étaient pas là. Tu sais, quand s'il y a plusieurs fous ou un fou, en général, c'est un. Ouais, c'est que c'est toi le fou. Ils veulent pas ouvrir le Sunrise en tout, j'en ai plein le cul, là. Purée, moi, j'ai voulu acheter un bateau ce soir, y'a personne. J'ai voulu acheter une bagnole, y'a personne. Et le Platinum VIP, là, y'a du monde, hein, là, pour... Voilà, là, y'a pas de soucis. Tu veux acheter quoi comme bateau? Bah, je voulais acheter un chalutier pour... Ah ouais, au cas où si t'es pas là, tu vois. Ouais. Mais bon, y'a personne, ça répond pas aux mails, rien. Bah, en cas, sans dire de bêtises, Marshall, si même si je suis pas forcément là, au pire, je te sors un chalutier, j'en ai un si t'en as besoin. Attends, ouais, attends, bon, je vais appeler le gars sur le numéro, là, le gars de... Monsieur Cooper. À l'occasion. Hein. Ouais, c'est bien noté. Comme mon cadeau de Noël en quad sous le sapin. Exactement. Il a la princesse moto et la princesse bateau, lui. Purée. Eh ben, il y en a qui sont blindés de thunes. Arrête, tais-toi. Oh, il répond pas à ce sac à merde. Qui ça, le sac à merde? Monsieur Cooper. Ah. Un mec avec un costume taillé sur pièce. Oui, c'est le patron des Concess Moto. Ouais. Lui, je l'aime bien, mais il est cool. Ouais, par contre, il est gentil. Il a un chapeau souvent, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, il fait bien, te fait chier. Non. Si. Non, je suis fatiguée, je travaille trop. C'est vrai qu'on est submergé par le travail. Hein. Moi, non, je me couche trop tard.
Bah faut arrêter de se coucher à 5h du matin, c'est pas bien. C'est vrai, ça. C'est vrai, avec vos musiques de Ruskov là, à faire les tarés là, sur la plage. Là. Oui, bah écoute. Hein. Bon, après, faut bien que jeunesse se fasse, mais quand même. Exactement. Je pensais à votre foi, merde. Votre foi, moi j'ai toujours la foi. Je suis sûr que vous êtes pas sobre en plus hein, dans ces moments-là. Hein. Oh, en même temps, on se bourre pas souvent la gueule. Hein. Non. C'est rare. Hein. Ouais. C'est vrai. Un petit verre de temps en temps, ça passe, mais c'est rare. Hein. Ouais, qu'on organise une soirée ici, là, où Kiz, un de ces quatre. Ah ouais. En plus, il y a la scène et tout. Ah ouais, la scène et tout. Hein. Concours de karaoké, là, tiens. Mm. Ouais. Oula, mon dieu. Ouais, ouais. Je peux chanter. T'organiserais ça quand pour que je vienne pas? T'appellerais ça le karaoké. Wow, Gina, comment arrêtez tu vas? J'ai entendu chanter à l'instant, ouais, c'était très beau. Je suis sûr qu'il y a des musiques de chez toi en karaoké aussi. À ah ouais? Ouais, il y a Bachaka, c'est. Chez moi, c'est-à-dire. La Bachaka n'existait est... pas. C'est d'origine, je la connais pas celle-là. J'ai rencontré avec allez. Le doigt, mais pas du tout. Elle est passée à côté de moi. Au-dessus de ma tête, c'est quelle origine Kodassa. Aïcha, Aïcha, écoute. Ça, c'est Bachaka, et ça, c'est Parker. Ce qu'il faut. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment tu vas? On fait quoi? On va à la pêche ou quoi? On fait blé. Oh ouais. Ouais, ouais, bah ouais. Mais il y a le rendez-vous, non? Quel rendez-vous? C'est annulé, j'ai annulé. Le rendez-vous de quoi? Bah, il y a Ouvert qui est à l'hôpital. Hein. Ah, c'est bon. Donc, Pierre, il prendra. De quoi? De quoi? Ah, vous lui... Du coup, vous lui dites de fermer? Ah ouais. Waouh. Non, non, mais Ouvert, il vient jamais à la pêche, c'est pas son truc. Bah, la dernière fois qu'il est venu à la pêche, il a sorti son voilier en même temps que je sors mon. Non, j'ai eu très peur de ce que t'allais dire là. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Il a sorti son gros voilier. Ouais, ouais, ouais. Il a sorti le drapeau blanc. Piche, piche. Et le mec, il est en train de faire de la pêche. À côté de nous, il a sorti son gros voilier. Et le courant, tu vois, le courant qui l'emmenait ailleurs. Il sort son voilier, est-ce que ça fait là ce qu'il va y voir? Ouais. Oui, 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 c'est pas fond. Perturbé, ouais. Ivory, ça. Oui. Ivory, t'as café au baconnet? Hein? Ouais, ouais. Même pas, je réagis, tu vois. D'accord. Non, parce qu'en fait, monsieur les EMS, vous savez, quand Ivory fait des runs et qu'il faut les scasses, mais les veston, ça marche pas tout le temps. Quoi? J'ai rien compris. C'est normal, non, mais c'est une blague de marin, ça. Non, mais c'est pas ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est en radio, marin, ça. Nous parler. Ça, c'est très marin. Ah, quel timing. J'ai même pas compris du coup ce qu'il a dit, Ouvert. Moi non plus. Ah ouais, c'est pas, ça c'est parfait, du coup vous avez compris ce que personne a dit quoi. Pierre d'un coup. C'est parce qu'il écoute, il passe l'aspirateur derrière, Ouvert ou... Qu'est-ce que c'est dit, Ouvert? Est-ce qu'il est autonome au moins? Ouvert? Va savoir. Mais on entend pas en radio? Non, si, si, on t'entend, ouais. Je vais mettre un message sur le Dark Souls, je vais mettre à 23h30, sorti. Ah, j'ai pas compris. Et comment tu ça, répètes y a pour du Kim, brouillard. Je crois que j'en peux plus. Elle a pas compris. De quoi? Ah, vous avez répété, c'est quoi? C'est du cri. Ouais, en fait, Kim, non, non, quoi, c'est du quoi? Je sais pas. Allô, 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 on m'appelle. C'est du créole. Oui. Ah, ok. Je connais pas. C'est comme un dialecte. Du coup, toujours pas passé la whitelist. Non, non, je connais pas du tout le créole. Tout... Du créole? Bah, moyen tibo, deux tibo. Ah ouais, bah non, non, je connais vraiment pas. J'aurais dire que c'est ça le DJ. Je dis en fait que quand Ivory faisait des runs et qu'il faut les casser, mais les Weston, ça marchait pas tout le temps. Ok. Nyomi, elle est qui est bon. Ouais, non, mais j'ai tout compris en fait, il suffisait de le dire longtemps. Merde. Bah oui. Ouais. Du coup, bah, tout pareil. Ils sont tous rien compris. Tout pareil. Deux fois même. C'est fou parce qu'il n'y a personne qui ose l'avouer par contre. Ils sont tous en train de se tous... Ouais, ouais, j'ai compris. Ouais, compris, ouais, ouais bien sûr, j'ai compris. Ouais. Alors par contre, je n'ai strictement rien compris. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est normal, c'est une blague de marin, je vous ai dit. Alors, 23h30, ça irait à tout le monde là pour une sortie Ah ouais, ouais, parfait, parfait. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, je peux aller me coucher pas trop tard, c'est nickel. On va te changer par contre, Évoré. Non, mais t'as pas compris, je vais me coucher quand vous partez. Ouais, mais va te changer quand même avant de dormir. Ah bah oui. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est. Je pense que c'est NVE qui fout la merde. Ou le mapping. Ding. Ouais. Je pense que c'est le mapping parce que t'en as pas ça quand on est dehors. Mais. Moi j'ai rien entendu.
Pourquoi ça m'a supprimé? Ça m'a tout enlevé déjà, c'est quoi? Un message sur le chat noir. Ouais, sur le chat noir. C'est normal que ça supprime chaque jour, on doit le rentrer de nouveau? Non. Non, c'est pas normal, non. Du coup, je reviens juste passer un coup de fil. Allez! Oh, bah oui. Non, ça calme, ça. Il faut le coup de canne de mamie. Lui. Tommy présent, tu m'étonnes, le gars, il a 6600 appâts à vider. Et en plus, il travaille plus à l'hôpital, non? Ah bon? C'est le point de... Ouais, il a démissionné. Ah, c'est lui qui a un casier? Pas du tout. Il va faire quoi de sa vie? Bah, il est retourné au fly. Ok. En fait, de base, il était au fly. Il est venu chez nous. On l'a formé. Et pour l'argent, je comprends rien. Je comprends pas ce qui ting là. Oh la vache! Ah, c'est sûr, les ding-ding là, on dit WhatsApp. Ça me rend folle. C'est qui présent? C'est qui présent, ouais. Et ça veut dire présent, mais il s'est raté quoi. Bah, c'est qui dit ça? Je sais pas, enfin bref. Bon, moi je vais pas noter comme que je suis présent parce que ça fait mais beaucoup de bits déjà. Il y a des messages en haut, il y a des messages en bas, je comprends pas. C'est le Camille. Oula! Tu mets des escopites partout. Je sais pas, moi, les messages décryptés. C'est des messages qui sont cryptés. Du coup, ça mélange les doigts. On peut pas le vider un moment? Si. Non. Si, tu peux. Non, tu peux pas. Bah, tu peux, on te. Tu le supprimes du truc. Ouais, tu le supprimes et tu le remets. Non, ça revient. Camille, si tu veux, tu peux poser la boîte à tes pieds. Ouais, c'est vrai, ça faisait un petit peu lourd. Ça tire les bras un peu, non? Parce que je pense que si je vais dehors, tu me fais mal à rien qu'à regarder. Tu vois là, elle y est pas à l'aura quand on est dehors, donc je pense que c'est le mapping qui fout la merde. Ouais, qui ce bacon là? Ouais, la orange c'était la mienne, mais l'autre, je sais pas. Bon bah... Tu m'as fait un crouche-patte, putain! Arrête de faire ça, hein! Je t'ai vu là! Si t'es pas foutu de tenir. Ça, ramasse mes lunettes! Si t'es pas foutu de tenir sur tes deux pieds tout seul, on va t'acheter des béquilles, hein! Si tu m'as fait un crouche-patte! Moi, je sais très bien tenir sur mes deux pieds! Ouais, Oukiz, c'est un mapping. Je sais pas si c'est un mapping exclusif à Story Life ou pas, mais. En vrai, tu pourrais tester de revenir, hein, ça c'est. T'as quelques ouais, vu que t'aimes bien faire du civil, t'as quelques entreprises quand même qui jouent sur ça. 300$, bah putain. C'est un coiffeur de luxe, ça sent 10 chaud. Attends, c'est clair. Voilà, vous même pas voulu me faire la carte de mais fidélité, oui, Koda. Bon bah ça, je suis de te croiser tous les jours, tu ferais mieux de mettre des perruques, hein, ça abîme vraiment tes cheveux. Oui, ils sont déjà abîmés, c'est pour ça que je fais n'importe quoi. Ouais, bah tu feras moins la maligne quand tu seras chauve. Exactement. Oui, je vais tout raser un jour et. Alors, je te. Le truc, c'est je déconseille. Vu que ça a changé de. Vu que ça a changé de. Version, ça pourrait être bizarre. Hein. T'es obligé de refaire une whitelist, quoi. Bah, t'as jamais vu l'autopsie de Roswell, toi? Oh, pardon, excusez-moi. Y'a pas de mal? Ah non, j'essaye de pas quand même. Juste... On est pas dans le sud ici, Ivoirien. Pourquoi? On s'excuse pas quand on rentre. Tu t'es pris à Vinewood ou quoi? Ok, bah, désolé. Non, pareil, tu t'excuses pas. Ah ouais, je m'excuse. Ah ouais, d'accord, je m'excuse. Ouais, je vais t'en mettre une, je te jure, la prochaine fois que t'es désolé. Ok, je m'excuse plus. Il paraît que s'excuser est un signe de faiblesse. Exactement. Ok. Si tu veux continuer à travailler au Wookiees, dis-toi une chose, c'est qu'ici, tu fais bien ce que t'as envie et t'emmerdes les autres. D'accord. On va se débrouiller. Hein. Mm-hmm. Kim, si tu travailles ici, on t'interdira de te raser le crâne. Parce qu'on n'a pas envie de travailler avec un foutu alien. Un alien? Comment ça? Regarde, je sais pas moi, Camille, il a pas beaucoup de cheveux, elle t'aime non plus, c'est très bien. Hein. Je crois qu'on va finir par tous quitter l'hôpital, on va tous venir travailler au Wookiees. Kim, oui pour combien tu te rases pas la tête? Pour un. Oh bah ça va. J'aurais dit pour 10, moi. C'est vrai que vous seriez bien à travailler au Wookiees, n'empêche. Bah, ouais.
C'était un jeu de mots ou... Bah non. Tu devais pas changer de PC en plus. Tu disais pas que tu devais changer de PC pour aller sur Red Dead bientôt. J'ai pas compris quel aurait été le jeu de mots sur toi. Parce que pour le coup, pour le civilisme, Red Dead, c'est goldé. Oula. Ouais, vous cherchez loin quand même. Hein. Ouais, on cherche loin, j'avoue. Vous savez, y a pas des jeux de mots à chaque fois qu'on ouvre la bouche. Y a un jeu de mots. J'ai une énigme pour vous, si vous voulez qu'on passe le temps, peut-être pas. Oui. Alors, quand ça touche pas, et quand ça touche pas, ça touche. Attends, tu peux redire. Quand ça touche pas, et quand ça touche pas, ça touche. Ah. De quoi je parle? Quand ça touche pas, mais quand ça touche, ça touche. Non, quand ça touche pas, et quand ça touche pas, ça touche. Quand je dis okay. Ça touche pas, mais quand je dis ça touche pas, ça touche. Je sais strictement rien. Je cherche. Ouais, pas sur Google, vous avez enculé. 4 heures. Ah, je te connais, toi, t'es capable d'aller chercher sur Google discretos. Ah bah non, oui. Non, j'essaie vraiment de trouver, mais là, je vois pas. Ouais, pareil, Vous avez 4 heures. C'est lequel en premier? C'est ça touche, ça touche. Okay. Les deux dans les deux sens, ça marche. D'accord. Ok, ok. Et quand ça touche, c'est un truc avec la phrase. Oui, je pense que c'est une question de construction de phrase, des mots qui se touchent ou. Ouais. Quand je dis ça touche pas, ça touche. Mais oui, quand c'est je dis ça. Ça touche, ça touche pas. C'est ça, c'est quand mais tu ça dis touche, ça touche pas, ça, les mots se touchent, mais non. Quand. Non, c'est pas ça. Mais ça se touche pas. Attends, quand, quand je dis ça touche, attends, ça touche pas. Quand je dis. Il a un indice là, non? Vas-y. Quand je dis ça touche pas, quand je dis ça touche pas, ça touche. Touche. Et là en gros, bah, on doit les pieds quand ça touche pas. Mais vous devez savoir qu'est-ce qui touche pas ou qu'est-ce qui touche. Mais tu parles pas de la langue par hasard? Non. Putain, mais je pensais que c'était un truc avec la langue. Ah, les lèvres. Bien joué, Boré. Ah, j'étais pas. Oh. Ouais, bah c'est pas ça dit la langue, ça m'a les lèvres. Ah, toi la langue, ça touche pas. Ouais, j'étais pas loin. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? C'est une énigme. Non, il y a quelque chose qui arrive. Et vous l'avez déjà eu celle-là qui est complètement mémé débile. Bonsoir mémé. Est-ce que vous l'avez déjà eu celle-là? Bonsoir. Bonsoir. Attendez, je la remets bien, que je vous dise pas de conneries. Oui, bonsoir, baisse ton bras, enfant de malheur. Un train électrique part vers le nord. Vers quelle direction va la fumée? Il est électrique. Bien joué, parce qu'il y en a qui répondent généralement vers le sud. Aller répondre vers le sud, t'as un problème avec ça? Tu me cherches ça? C'est un train électrique? Oui, mais j'ai compris maintenant que vous avez donné la réponse, putain. C'est un peu comme de quelle couleur sont les dents d'un bébé noir? T'as pas de dents, bébé. Bah, bien vu. Vous connaissez le point commun entre l'enfer et le Viagra? De quoi? Le point commun entre l'enfer et le Viagra. Ouais, moi je le connais. C'est un dérivé là d'un coup. Ça tend la bite. Ouais, ça tend la bite. Ouais, ça tend la bite. Ouais. D'accord, ok. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais aller pisser avant qu'on y aille. Mais faudrait peut-être qu'on se change quand même, on va pas y aller comme ça. Il est où le patron là? Ah, le patron. Il est derrière, je crois. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans la cuisine, ouais. Dans la cuisine. Cuisine, pardon. Dans la cuisine? Désolé. Je crois qu'il se moque de vous, jeune homme. Non, il n'y est pas, je crois que vous petit détail sur moi. Comment ça? Bah, j'ai dit la cuisine. Eh bah, oui. Bah c'est, c'est là où on cuit les trucs. Mmh. Ouais, c'est pour queer. C'est pour queer, effectivement. Bon, le BCMD, on va peut-être se changer quand même. Rafi, capitaine. On va pas y aller comme ça, là, on est une pipe. Là, t'as canné. Non, d'une pipe en mousse. Y'a peut-être Davis qui va venir. Cool. Yep. Davis. Mais la musique, elle me paraît super forte là d'un coup. Exactement. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, il m'avait dit qu'il venait. Depuis son événement, je l'ai plus revu, lui. Hein. Ils sont comme gros, tes doigts de... Alors encore, je l'avais même pas vu à son événement. Qui ça? Même pas. Tes doigts sont énormes, non? Tes doigts sont énormes. Incroyable. Tu vas voir si je te les mets dans le coin de la gueule, s'ils sont encore énormes. Mais l'autre part. Ah bah, elle non, je te les foutrais pas dans le cul. Je vais me changer, moi. Pareil. Ouais. Bah, moi, je vais vous dire bonne soirée. À de suite. Bonne soirée. À plus tard. Des bisous. Bisous. Bon, au revoir. On va aller voir juste si le sunrise est ouvert. Et puis après, let's go. Hein.
Alors, tranquillou, parce que là il doit y avoir encore un putain de... Putain de radar. Oh mais ça, ça s'en démarre. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois de la soirée quoi. On fera attention au tunnel, il y a un radar. On va pas passer par là. Bah tu fais comme tu veux, moi je donne l'information et puis voilà. Oui merci quand même. Putain, ça m'a fait flipper. Merci beaucoup pour le follow. C'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop fort. En même temps, j'ai commencé à stream très très tard. Hein. J'ai commencé à stream après qu'on soit arrivé sur Story Life. Toi, t'étais déjà parti sur reparti sur G Life. À l'époque des exilés, je streamais pas, donc forcément. Et j'étais pas dans les pubs chez Willax ou... Ah si, chez Koda, mais chez Koda, je sais pas si... Je crois pas que tu sois sur le Discord de Koda. Il le partageait pendant un temps sur ses lives, mais maintenant il le fait plus, je crois. Donc voilà. Donc t'inquiète, je le prends pas mal. Surtout qu'il n'y a jamais personne en général sur les lives, donc ça fait plaisir. Il y a rarement du monde. On passe me faire un coucou et puis vu qu'on s'ennuie, on s'en va. Moi je les garde surtout pour les archives. Archiver, faire des petits clips et puis après faire des petits best-of. Je me rappelle pas où c'est. Enfin si, à peu près, mais ouais. Oui. Je vais pas me faire soulever là, en soi. Bah oui, grave, c'est pour ça que je le fais. J'ai toutes, pas toutes, mais quasiment toutes les vidéos de Jamal sur ma chaîne YouTube. J'ai un best-of de. J'avais fait un best-of de 1h30 sur les Lost, sur Story Life. C'était un plaisir. Genre la nostalgie. Around. Oh, il y a du monde. Ah non, c'est une fleur de. J'y ai tellement cru. Et je me suis encore fait baiser par la table basse. Voilà, il y a personne. Ça est clair. C'est clair, c'est clair. Et encore, toi, tu parles de des exilés à l'époque parce que moi, les exilés, j'étais pas lost. Et on se croisait quand même avec Jamal. Et même avec mon perso d'avant. Bon, ben, rip, hein. Rage de fort tard.
Mais là, honnêtement, ouais, j'ai life. Je suis allé. Après, ouais, ça m'a fait plaisir de retrouver Edouard. Vite fait, tu vois, mais. Edouard, c'est des barres de rire à chaque fois s'il prend le temps et qu'il n'est pas en phase dépressive. Mais disons que ça vaut pas toute la team qui est ici, plus il y a quand même des bugs quoi. LSC, il paraît. Qui c'est qui m'en a parlé? C'est Meg qui était sur LSC, non? Meg, il me semble qu'elle était allée sur LSC, elle en parlait aussi, qu'elle dit que c'était un bon serveur. Mais bon. Pareil, ça a pas l'air. C'est juste c'est pas parce qu'il y a du monde que c'est des bons serveurs, quoi. Le problème, c'est que s'il n'y a pas assez de monde, bah tu te fais chier. Donc faut le bon milieu. Je dis pas que StoryLife c'est un bon serveur. Attention, je vais me faire strike. Non, je m'en fous, je pue pas sur l'ordre. Ah putain. Ça, par contre, c'est un bug, j'ai l'impression qu'il est commun à tous les serveurs. Hein. Où est-ce que je vais? Ah oui, au squat. Point, point, point. La bécane? Non, c'est une bagueur. C'est une bagueur où j'ai enlevé quasiment tout le carénage. Y a pas d'ajout, hein, je crois, en termes de véhicule. On va aller tranquillement se foutre au squat. Attends. Demain j'aurai pas le temps. Bon. J'ai pas le temps de faire de run. Je l'ai un peu raté, hein, ça veut pour qu'il ait 21 ans quand même. Oh, ça va, hein. Juste les yeux qui sont éclatés. Bombini. Ah oui, voilà. Le R. Ah ouais, gros screen. Hein. Je suis obligé. Ça c'est pareil, c'est pas mal le petit Twitter, mais j'ai perdu mes identifiants et ben
crois que c'est ça, mais Ouais. Bordel. Aussi là. Oui, mais voilà. C'est pas ouf, hein, mais on dort là. Donc on fait, hop, comme ça. Voilà. Et bien écoute. Est-ce que... Attends.